Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce mercredi. Hein. Voilà. On est mercredi 19 juin et donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de deux personnes, enfin que l'on connaît ou que l'on connaît pas. Des fois je lis des noms, je me dis au fait c'est qui? Je sais pas. Alors c'est Daniel Innocenti et Magali. Magali, je sais même pas si j'ai. Je sais plus, j'ai un nom. Non, Daniel et Magali. Hein, voilà, donc on vous souhaite un très joyeux anniversaire, une très belle journée, tout plein de belles choses. Hein, passez une belle journée. Et alors, c'est, comment dire, aujourd'hui le 19, c'est la Saint-Romuald. Ah, Romuald. Romuald, ça me fait penser aux Romains. Tu sais, c'est un prénom du temps des Romains, ça, Romuald. Romain, Romuald. Remuer la salade. Mais presque remuer la salade. Romuald, remuer la salade. Un grand prix, quoi. C'était une de mes corvées, ça. Remuer la salade avec la vinaigrette. J'avais horreur de ça. Hein. Horreur de remuer la salade. Ah, ça a toujours été une corvée pour moi. Hein. Et puis, si t'en fais tomber une, tu seras pas bonne à marier. Bah, ça, c'est sûr. Hein. J'étais pas bonne à marier, moi. Bon, bref, les grands prix, quoi. Alors, remuer la salade. Qui aime remuer la salade? J'aimerais bien savoir. Alors, moi, ce que je fais maintenant. Parce que j'ai réfléchi, mon cerveau a évolué. Je prends un grand saladier et je mets un tout petit peu de salade dedans. Et comme ça, là, j'ai de la place. C'est ça. Je fais ça, je fais ça. Hein. Ah, parce que c'est vraiment un truc pénible. Hein. Pénible, pénible. D'ailleurs, j'aurais pas dû parler de ça. Ça m'a gâché ma journée. Hein. Hein, de parler de Romuald. Romuald la salade. J'en ai connu un. Hein. Habite en HLM. Romuald Gérard, il s'appelle. Si tu passes par là, Romuald. C'était un beau garçon, un beau jeune homme. Ils étaient cinq. C'était pas le club des cinq. Hein. Alors, ils étaient cinq frères et sœurs. Peut-être même plus après. Attends, je sais plus. Ouais, ils étaient six après parce qu'il y avait le petit Kevin. Où on habitait en HLM. On était sur le même palier, quoi. Enfin, il y avait l'escalier. Et alors, et voilà. Et c'était un amoureux à ma sœur, un amoureux à ma petite sœur. Romuald. Ouais. Ils ont été longtemps amoureux. C'est mignon. Ouais, c'était mignon. C'était des amours d'enfants, quoi. C'était trop mignon. Voilà, c'est tout. Ça me rappelle les amours de ma petite sœur. Pas du tout les miens, pas du tout, du tout. Hein. Moi, j'étais de toute façon. Bon, bref. Allez. Si une pierre tombe sur un œuf, gare à l'œuf. Si un œuf tombe sur une pierre, gare à l'œuf. Ah oui, d'accord. Peu importe dans quel sens ça tombe, l'œuf, quick. Quick l'œuf, on fait l'omelette. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est pas drôle, mais c'est logique. Bah oui, c'est logique. Très intéressant, très intéressant. Alors, hier, donc, on est à. Ça va, 3 minutes, alors là, je bats des records. Hein. C'est ça. Alors, hier, on a fait une petite reliure. Vous saviez, accordéon, là, c'est pour celles qui connaissent pas. Hein. C'est comme d'habitude, hein, parce qu'on va pas faire des tutos pour celles qui savent scraper. Celles qui savent scraper, elles n'ont pas besoin de personne. Hein. Non, besoin de personne. Donc, hier, on a fait ce petit album-là, tous ensemble, tout petit mini. Vous voyez, il tient dans la main, regardez, il tient dans la main, il tient dans la main. C'est pour utiliser les dies aussi de chez Action et les blocs, c'est 100% Action, ça. Et 100% simple. Donc, on a fait ça. C'était trop adorable. Moi, j'ai modifié la couverture. J'avais envie de faire un style un peu comme ça. Oui, j'avais envie de faire ça. Et puis là, je mettrai le titre de l'album ou pas. J'en sais rien. Donc, on a fait ça. Et puis, juste, on n'a rien fait sur les pages. J'ai juste mis un petit papillon par-ci, une petite fleur découpée par-là. Parce que, vous voyez, hein, à chaque fois, j'ai découpé une fleur dans le papier pour décorer. Parce que c'est tellement mini, c'est juste pour mettre une petite photo, un petit commentaire au cas où, vous voyez, hein, ça suffit hein, pour faire un petit cadeau comme ça rapide. Et ça s'aplatit, vous voyez, vous pouvez mettre ça dans l'enveloppe. Regardez, franchement, c'est génial, ça ne s'abîme pas, c'est pas fragile, c'est adorable et c'est joli avec les petites découpes. J'en ai vu certaines d'entre vous qui en ont fait un. Elles ont fait des découpes, elles ont un papier, il était découpé là, ça fait très joli, vous voyez, ça fait très beau. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et j'en avais fait un autre juste après, parce que je me suis dit, bah, il me restait du papier là. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer sur le thème de la country, la danse country. Vous savez, j'en ai fait la danse que j'adore. Hein. Eh bien, ouais. Donc, j'en ai fait un sur le thème de la country, comme ça, tout simple, avec des petits cœurs qu'on m'a offert, machin. C'était tout mignon. C'est simple. Voilà, c'est hyper simple à faire. Et donc la tranche, je l'ai fait différemment en faisant un matage de 3,5 là sur. Voilà. Et puis c'est tout, c'est tout. Je fais rien à l'intérieur. Et j'ai découpé des mini mini bottes dans le papier. Il y a un papier où il y a des bottes. J'en ai détouré
pour faire un petit truc comme ça, c'était tout mignon, j'adore. Et puis c'est tout, hein, j'ai rien fait du tout, c'est vraiment juste maté comme ça. Vous voyez, c'est ces petites bottes-là que j'ai détourées, ça fait trop mignon, j'adore. Et puis voilà, hop hop hop, et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Hein. Voilà, hein. Et puis pareil, on peut l'écrabouiller comme ça, hop, ça se met facilement dans un sac, etc. C'est quand même le top du top, voilà, moi j'adore. C'est vraiment pas fragile, quoi. J'ai arrondi les angles aussi, je sais pas si je vous l'avais dit. Enfin, après, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On pourrait même faire une découpe comme là, on a fait. On peut faire la découpe ici. Enfin, bon, ouais. On peut vraiment s'amuser énormément avec ce genre de petit album. Voilà, c'est vraiment voilà, pratique. Et donc, je vous ai dit, on a fait ça pour faire la reliure accordéon. Et puis, aujourd'hui, donc, on va progresser comme ça. Hein, on va progresser comme ça. J'avais envie de vous faire cette reliure-là parce que c'est une reliure que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire des albums pochettes. Alors, là, on va faire les pochettes à base d'enveloppe parce que c'est pratique, il n'y a pas besoin de les faire et tout ça. Hein, parce que j'en ai déjà fait des albums avec, en faisant les pochettes avec le papier et tout ça, le pliage, machin, tout ça. Je me demande ce qu'on n'a pas fait encore. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, mais voilà. Donc là, je vais prendre des enveloppes. Alors là, j'en ai sorti 6, mais on va faire. Parce que ce qui est bien avec ce système d'accordéon là, c'est que on fait des espaces très réguliers. Vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises en collant les pages à page. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec cette reliure. Je trouve que c'est plus propre, plus facile que de coller chaque page comme ça sur la tranche, hein, que ce soit en U ou que ce soit page à page là, je trouve en L, vous savez, enfin moi j'appelle ça en L, eh bien je trouve que ça ça sera plus réussi, ça, je trouve que je trouve que c'est plus facile en réalité, même si ça semble plus chiant, c'est plus facile et plus propre et mieux fini et plus solide peut-être même, enfin bon, ce n'est que mon opinion, c'est toujours pareil. Alors, donc là, on va faire un album pochette où je ferai que 4 pages centrales, mais on va faire un espace pas de 0,5, mais de 1 cm. Comme ça, chacun pourra s'amuser à rajouter des pages autant qu'il en veut, enfin autant qu'il en veut, oui et non, hein, oui et non. On peut rajouter des pages, on peut faire évoluer l'album, mais jusqu'à une certaine limite, il faut quand même que l'album il se ferme à la fin si vous mettez des gros embellissements. Ce qui est bien en faisant ça aussi, c'est qu'on peut choisir donc l'espacement des pages et que suivant si vous voulez mettre des embellissements en bois ou des grosses fleurs en résine, des choses comme ça, et eh bien ça sera plus présentable. Ce ne sera pas un album qui à la fin, quand vous le fermez, ça fait moche parce que les pages elles se touchent et tout, ça va abîmer vos photos, ça va. D'accord? Ouais. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir 4 pages principales et après, on pourra les faire évoluer et en rajouter, etc., etc. C'est des pages aussi où vous pourrez intégrer des pop-up qu'on a fait en vidéo. Hein. Vous pouvez justement, comme il y a beaucoup d'espace, y rajouter le pop-up par exemple. Sur une page, vous pourrez rajouter l'obturateur. Sur une autre, je ne sais plus ce qu'on a fait ces temps-ci, hein, je ne sais plus, mais tous les pop-up, tiens, par exemple, dans vos boîtes à explosion, vous pourrez les intégrer. Hein. C'est une occasion d'intégrer les pop-up de votre boîte à explosion, par exemple. Ceux qui l'ont, hein, ceux qui l'ont. Parce que vous aurez largement la place. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Y a rien de compliqué, strictement rien. Peut-être à part la structure. C'est comme d'habitude, comme c'est un album plus conséquent, on fait une structure un peu plus conséquente aussi. Et on ne va pas la faire avec une feuille de papier. Hein, parce que sinon, évidemment, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Il hein, faut ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Donc, c'est parti. Ben, il vous faudra du papier de chez Action, des enveloppes tout à fait ordinaires. Ou pas. C'est des enveloppes 10-15. Vous savez, le format 10-15, là. Voilà. Et puis, moi, je vais prendre de la cartonnette. On me l'avait envoyée, celle-ci. Donc, elle est un peu costaud. Je ne sais pas combien de millimètres, mais bon, peu importe. Peu importe. Si vous n'en avez pas, ce qui va vraiment très très bien, tiens, c'est cette cartonnette-là. Alors là, celle-là, elle est vraiment bien aussi. Les cartonnettes de ces blocs-là, elle est vraiment bien. Oh, celle-ci, elle est un peu plus fine que d'habitude, je trouve. Non, oh, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, elle est bien. Elle est bien. Sinon, après, il y a cette cartonnette-là qui derrière ce bloc-là, qui est plus costaud que de la feuille. Hein.
Et ça ira aussi. Et puis, si vous trouvez que c'est trop fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous en collez l'une sur l'autre pour faire encore plus épais. Et puis, c'est tout, hein. Faites-la votre épaisseur, créez-la vous-même, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis, si vous voulez le faire, voilà, prévoyez de faire votre. Si vous voulez faire une structure solide et que vous n'avez pas de cartonnette comme ça, et que vous voulez faire un album ce week-end, par exemple, je vous conseille de préparer votre cartonnette avant pour qu'elle sèche bien, pour pouvoir. Voilà. Vous prenez deux cartonnettes comme ça, vous les collez l'une sur l'autre et vous attendez que ça soit bien collé. Hein, ce qui est bien, c'est la colle à bois, vous savez, la colle à bois, hein, chez Action, là. Elle est très très bien, hein, pour ce genre de trucs, hein, pour faire ça. Voilà. Bon, alors comme moi j'ai pas le temps, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que voilà, j'ai de la cartonnette, je vais utiliser ma cartonnette, mais si j'en avais pas, j'aurais fait ce que je vous dis, hein, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Pour ce faire, on va donc commencer par faire l'accordéon. Alors, hop. Donc, on va utiliser, donc, comme je vous le disais, des enveloppes basiques, de taille tout à fait basique, 10-15 là, hein, les enveloppes que vous. Parce que c'est pratique. C'est pratique, c'est ce qui fera les pochettes. Hein, c'est ce qui fera les pochettes. Alors, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Vous ferez bien ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Quand on va la coller, on va l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir pour pouvoir insérer l'enveloppe dans la tranche. D'accord? Tout simplement. Ça veut dire que vous pourrez soit la fermer et la réouvrir comme on fait souvent dans les albums enveloppe carte. On ferme l'enveloppe et puis après, on la rouvre. Ça, c'est ce que je vais faire moi. Voilà. Ouais, je vais faire ça, je pense. Et puis, on la rouvre sur 1 mm là et voilà. Ou alors, vous pouvez l'ouvrir là maintenant et puis la laisser comme ça. Et puis là, ça sera votre pochette. C'est pareil, c'est freestyle, hein, je veux dire, c'est une base. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Voilà. Allez, moi, je vais prendre du papier noir. Là, hier, j'ai pris du papier blanc. Alors aujourd'hui, on va prendre du papier noir. Et puis, prochain, on prendra du craft, du vintage. Allez, ça, c'est bien, c'est le costaud. On prend le costaud. Hein. On prend le costaud, le costaud, le costaud. Ensuite, on va mesurer la hauteur de l'album, hauteur de la tranche. Donc, par exemple, voyez là, la hauteur de l'enveloppe, elle doit faire 15 et quelques, j'imagine. Elle fait 7, vous voyez, ça fait plus que 15, puisque c'est pour mettre des enveloppes 10-15, des cartes 10-15. Donc, ça fait 16. Hein. Mais on n'a pas besoin de faire une tranche qui fait 16 cm. Hein. On n'a pas besoin d'insérer ça, de faire une tranche qui tient tout le long. Bon, non, 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 on n'a pas besoin. Hein. Ah, il y a une autre. Ah, ben, je l'avais fait il y a longtemps. Ça me fait penser à autre chose, ça. Enfin, bref. Donc, là, on va faire une tranche qui s'insère comme ça dedans. Ça suffit, vous voyez. Hein? Ça suffit, voilà. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi, quoi? Ça fait quoi? On va faire 10 cm. Hein? 10 cm, comme ça, il y aura 3 là, 3 là. Hein? Allez, 10 cm. Donc, on y va, on y va, on y va. C'est parti, on va faire notre petit accordéon. Ça, c'est super facile. Hein, d'accord? Donc, on prend en portrait, comme ça, et on coupe une bande de 10 cm. Hein, allons-y, allons-y, au bout de 13 minutes. Oh là là. Allez, 10 cm. Hop, voilà. Ça, on le garde. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre accordéon. Hop là, faut pas couper. Et puis on coupera quand on veut. Enfin, je pense que 13 cent... il faut 4 trucs là. 4 trucs. Il en faut 4. Donc je pense que normalement 4 fait 8. 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cm normalement. Normalement, il faut 13 cm. Alors, je ne vais pas couper tout de suite parce que vous savez, je suis capable de me tromper. Donc, je commence par là et à 1 cm, je vais faire. Tous les 1 cm, je vais faire un pli. Rien de sorcier là-dedans. Allez, 1 cm. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Je pense que 13, ça suffit. M'arrêter à 13, là, mais je coupe pas. Vous voyez, c'est ce que je vous conseille. Pareil, quand vous n'êtes pas sûr, bah, vous ne coupez pas. C'est pas, il n'y a pas d'urgence à couper. Non, il n'y a pas d'urgence à couper. Là, vous faites votre accordéon. Hein, d'accord? C'est facile, ça. On fait l'accordéon. Hein. Oh là là, c'était tout mignon. Hein. Voilà, rien de sorcier, rien de sorcier. Je crois que c'est, non, je crois que normalement ça devrait suffire. 13. On a un accordéon, mais on va pas laisser l'accordéon. Vous savez, il faut qu'il y en ait un plat entre chaque. Donc là, il en faut un plat. Hop. Et alors, évidemment, l'accordéon, je l'ai pas. Enfin, si je me mets dans ce sens-là, ça va le faire. Mais bon, vous avez compris, quoi. Allez, un plat. Hop, une montagne. Hein, d'accord. Vous allez faire comme ça, en fait. D'accord. Comme hier. Bon, pour celles qui me suivent, elles vont vite comprendre. Un plat, hop, une montagne. Un plat, une montagne. Un plat, une montagne. Voilà. C'est bien de marquer les plis, mais alors après, ça prend un mouvement. Voilà, quoi, ce qui est, hein. Je vérifie que c'est 13 cm, c'est bien. Là, et là, ah ouais, c'est bon, voilà. Ça suffira, hein. Ça suffira. Donc là, on va avoir un gros espace. On va avoir 1 cm entre chaque page et on pourra mettre plein de choses. Je répète, vous pourrez mettre vos pop-up de chez Action. C'est vraiment super. Hein. C'est sûrement ce que je ferai, moi. C'est sûrement ce que je ferai, puis je vous montrerai. Hein. Parce qu'il y a juste à les coller sur les pages, les pop-up. Hein, puis à les mater ou les décorer, hein, comme on a fait. Bon, c'est sûr qu'il faut me suivre. Et puis, si vous n'avez pas des pop-up, eh ben, vous ne les mettrez pas, vous faites autre chose. Alors, vous collez des pages les unes sur les autres, etc. Vous faites des accordéons, des trucs comme ça. Donc ça me paraît bien. Hein, il faut que... Et donc, là, je peux couper à 13, finalement. Hein, je voulais être sûre, parce que... Vous avez compris. C'est ça. C'est très professionnel, hein, c'est ça. Non, 13. Donc, 13, je coupe. Hop, voilà, c'est bon. Allez. Une fois que j'ai ça, hop là. Eh bien, je vais coller. Hein, Je vais coller quoi? Vous avez un. Hop, je vais coller cela là. Hein, à l'intérieur là. Donc, hop, vous voyez, vous avez fait votre dessin. Et bien là, vous collez les montagnes en laissant un plat à chaque fois. C'est facile. Enfin, c'est facile. C'est facile quand on sait, c'est sûr. Donc là, je vais prendre du double face. Je vais poser le double face pour vous montrer où il faut mettre. Alors, je vais mettre en plein milieu. Enfin, pas en plein milieu, non, n'importe quoi. Je vais faire ça. Hein. Parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper, vous savez. Si, ça m'est déjà arrivé. De ne pas mettre la colle au bon endroit. Ou... Là, donc là, j'en ai un. Hop. Donc là, là, je fais un plat. Là, il me faut un là. J'en laisse un à chaque fois entre. Là. Donc là, je le laisse. Là, il m'en faut là. Ces genres de trucs, ben, vous faites, vous prenez votre temps, hein, y a pas, de toute façon, c'est vraiment super facile, hein, comme album, hein, voilà, et puis voilà, et puis là, vous retirez vos machins, et puis vous collez, tout simplement. Mm. Un pic. C'est toujours la même rengaine, appliquez-vous. C'est toujours la même rengaine. Appliquez-vous pour faire ça parce que c'est vraiment la structure. Et bien évidemment, il faut qu'elle soit costaud et bien réalisée. C'est tout. Hein, d'accord. Là. Voilà. Vous entendez les petits oiseaux? Il pleut pas encore là. J'ai reçu un message. Ça vous intéresse pas?
je vous raconte des trucs qui ça se trouve. Enfin bref. Et comment dirais-je? Un message de l'assurance là qui fait les déclarations, qui disent que si on a un souci, il faut faire les déclarations en ligne. Il y a un lien pour faire tout de suite la déclaration en ligne. Tellement que ce qu'il prévoit, c'est voilà quoi. Alors là, les petits oiseaux chantent, hein. Ça. Je chante, chante du soir au matin, je chante sur les chemins. Et voilà, et ça, c'est fait. Alors, donc, je regarde si c'est bien fait. Bah, c'est bien fait. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez quatre morceaux de trucs, là, voilà, c'est ça. On a ça, puis on est content, hein. Tout ça pour ça. Mais tout ça pour ça, mais c'est costaud, ça, comme reliure. C'est costaud. C'est vraiment bien, 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 bien. On est content, content, content. Maintenant, j'ai pris quoi? 10 cm? Ouais, j'ai pris 10 cm. C'est bien. Oh la vache. Maintenant, je vais faire donc ma reliure. Alors voilà. 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 On va faire la reliure. Voilà. Pour ce faire, donc, je vais prendre de la cartonnette. Je répète, vous prenez bien ce que vous voulez. Ça, vraiment. Hein. Et on va faire la tranche. Et puis deux. Un recto, un verso, enfin une, dire une couverture, un devant, un derrière, c'est ça. Et alors, je vais prendre mon enveloppe, elle est où? On va faire une structure qui fait 17. Voilà, 17. 17, ça sera très très bien. 17 sur... 17 sur... 17 sur 12. Ouais, 17 sur 12. 17 sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux fois 17 sur 12. Je vais le noter, tiens. Deux morceaux. Deux fois 17 sur 12. Deux fois 17 sur 12. Et la tranche, parce qu'il faut penser à la tranche, hein, pour la coller dessus. Une fois, eh bien, 12. 12 cm de haut. Parce qu'il faut que ce soit la même hauteur quand même. Sur, eh ben, sur ce qu'on a obtenu là, c'est-à-dire hop là, c'est-à-dire 5 cm. 12 fois 5 cm. Voilà. On va faire ça dans de la cartonnette, dans ce que vous voulez, dans quelque chose d'un peu plus rigide que le papier qu'on vient d'utiliser. Hein. Un petit peu plus costaud. Plus ce sera costaud, plus ce sera bien. Mais je vous dis, hein, vous avez compris que vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, un emballage de biscottes, de céréales, voilà. Si vous voulez que ce soit plus épais, vous en mettez deux l'un sur l'autre, vous les collez ensemble avec du double face, de la colle à bois, c'est très très bien, etc. etc. Donc vous faites ça, hein. Deux fois 17 sur 12 et une fois 12 sur 5, on se retrouve dès qu'on a fait ça, hein, d'accord? Allez, à tout de suite. Hop là, donc voilà, nous avons notre structure en... un peu costaud, voilà. Alors maintenant, il s'agit de mater tout ça, de cacher. Hein, de, enfin, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire. Moi, j'ai des grandes pages à 3, mais je vais faire comme si j'en avais pas, hein, pour celles qui n'ont pas justement. Alors, on va commencer par couvrir ça, ça là. Enfin, la tranche. Ça, c'est la tranche. Vous allez prendre un morceau de feuille qu'on vient d'utiliser là pour faire l'accordéon, hein, d'accord? La même structure, c'est bien. Après, vous pouvez prendre du papier un peu plus fin. Prenez ce que vous voulez, hein, du papier. Moi, c'est parce que je vais mater. Je vais mater, mais vous pourriez prendre même du papier déco. Il faut quand même qu'il soit costaud. Pourquoi? Il faut qu'il supporte les pliures, là, vous savez. Donc, prenez du papier qui risque pas de craquer parce que vous allez être triste. C'est comme d'habitude. Si ça craquait, votre papier, il y a jamais c'est jamais dramatique puisque c'est la couverture. Vous pouvez remater par-dessus. N'essayez pas de déchirer ou quoi que ce soit, hein. Laissez-le et puis recouvrez-le d'un autre papier. Hein. Il vaut mieux que ce soit plus costaud, que ce soit... enfin bon, après, je sais pas. Voilà, voilà. Alors, donc là, je vais prendre un morceau pour faire la tranche tout de suite. Là, je vais mettre comme ça, vous voyez. On va le faire déborder. On va le faire déborder, on va faire comme ça. Alors, on le fait déborder d'un petit peu. Un petit peu, en haut, là. Vous voulez que je vous dise, je vais vous dire, là, c'est une feuille coin-coin, c'est un bout de feuille coin-coin, ça, vous voyez. Alors, hop. Je vais faire déborder de 3 cm, c'est bien. Donc 3 cm en haut, 3 cm en bas. Voilà, je vais, on le coupera à la fin. Enfin là, comme ça, je vais le couper un peu à l'arrache. Hein, c'est une... Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous disais, on peut prendre. Hop là. Je ne vais pas prendre la colle Scott parce que je ne vais pas en avoir assez. Mais c'est pas grave. Et ni du double face. Hein, je vais vraiment le faire à la colle avec vous. Donc là, je mets de la colle sur mon bout de carton, là. Hein, sur ma cartonnette. Hop.
Alors, cette colle-là, elle colle bien, mais elle fait gondoler. Vous voyez, mon petit album, là, hier, il était tout mou, tout mou, tout gondolé, machin. Et quand ça a séché, eh bien, il est vraiment nickel, nickel. Il y a pas, j'ai pas de problème, hein. Cette colle-là, elle est pas si mal que ça. C'est juste qu'il faut savoir, il faut savoir l'apprivoiser. Hein. C'est le petit renard, vous savez, avec le petit prince. Hein. Petit prince. Petit à petit, on apprivoise, et après, on devient amis, amis, amis. Hein. C'est pas facile de s'apprivoiser, vous savez. Hein. C'est ça. Alors, donc, je vais mettre ça comme ça au milieu. Hein. Vous laissez de la marge à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Bon, y a rien. Vous voyez, j'essaie même pas de le mettre droit spécialement sur ma feuille et tout. On s'en fiche pour l'instant. Oui, enfin, on s'en fiche. Oui et non, mais. Donc voilà, là j'ai pas, je l'ai mis un peu trop haut, donc je redescends. On s'en fiche que là, vous voyez, je l'ai bougé, il y a la colle en haut, mais c'est pas grave non plus, puisque je vais le rabattre. Donc c'est pas grave. Ce qu'il faut qu'il reste propre, c'est ce côté-là, bien sûr. C'est le côté que là, on ne voit pas pour l'instant. D'accord? Voilà. Vous faites ça, hein, et on va laisser adhérer, hein, adhérer à la chose. Et puis de chaque côté, donc on va mettre les portes, j'allais dire, les portes de l'enfer. Entre la tranche et là, il faut laisser l'espace de l'épaisseur de votre cartonnette. Ça dépend de la cartonnette que vous avez, mais il faut laisser au minimum, de toute façon, l'épaisseur de la cartonnette. C'est obligatoire. Alors, j'ai des ustensiles, moi, je mets mon équerre, je pose, pouf, pouf, et je. Ah, mais là, je vais faire comme si j'avais rien, comme d'habitude. Voilà, et donc je vais laisser environ 3 mm. Ça fait combien de millimètres ça? Ça fait 2. Hein. Ça fait 2 mm d'épaisseur ma cartonnette. Eh bien, je vais laisser minimum 2, mais je vais laisser 3. Hein. Enfin, à peu près 3, d'accord? Je vais faire ça, je vais mettre comme ça là. Je regarde, c'est bien. Vous voyez? Hein. Ça, c'est pareil, c'est vous qui allez, vous allez bien voir. Donc là, je vais mettre quoi? De la colle ici. Voilà. Là, c'est un peu approximatif, mais on s'en fiche. Je veux dire, voilà, hop, hop, je mets de la colle là. Voilà. Hein. Et là, je vais coller donc à 3 mm de la tranche ma truc là. Voilà. Bon, alors, vous alignez, vous prenez une ligne là, en haut, en bas, hein, pour pouvoir faire droit. Voilà, hein, vous faites hop, comme ça. Non, et puis voilà, vous faites ça, hein, voilà, c'est très bien. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Oui, ça, franchement, tout le monde peut faire ça. Il n'y a rien de sorcier. C'est vrai que quand on a les outils, c'est vachement, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, de l'espacement, de l'alignement, etc. Mais bon, oui, c'est pas. Voilà. Voilà, c'est très bien. Sûr, c'est très bien, là. Impeccable. Vous voyez? Hein? Vous faites ça, vous appliquez, vous regardez l'espacement, là, votre trou. Hop, vous regardez. Voilà, qui est au moins 3 mm, quoi. Enfin, quand... voilà, je vous dis, moi. Alors, vous faites ça. Alors, attendez. Ah! J'ai bougé. Ce sera parfait. Maintenant, une fois que ça et ça s'est rabattu, bah là, je vais pouvoir couper un peu de ce que j'ai en trop, là. Hop, là, voilà. Hop. Et je vais rabattre ça sur ça, d'accord? Voilà, c'est pareil, rien de. Alors on peut prendre du double face, je répète. Là, je vais travailler à la colle, moi. Voilà, ça va me changer un petit peu, hein? D'accord? Donc là, je rabats. Hop. Là. Et hop là. Voilà. Et hop, je tourne et je rabats le bas vers le haut. Et voilà, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir quand même que ça sèche toute sa fer. Et puis surtout, vous marquez tout de suite les plis. Tout de suite là, les creux. Ça, c'est hyper important aussi. Vraiment, c'est hyper important. C'est incontournable. Vous êtes obligé de marquer les plis. Obligé, obligé. Et vous regardez si ce que vous avez fait, l'espacement, ça convient. D'accord? C'est pareil, c'est hyper important. Il n'y a pas, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire ça. Voilà. Hop là, et alors il faut bien, 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 bien aplatir là pour bien ramener, bien, bien, bien ramener, bien, bien, bien. D'accord, hop là.
Moi, j'aplatis. Mince. Je glisse sur ma plaque en verre. C'est bien une plaque en verre, mais vous voyez, ça glisse. C'est pas comme les plaques anti-cicatrisantes. N'importe quoi. Les plaques cicatrisantes, justement, qui accrochent bien. Les plaques en verre, c'est bien, mais voilà. Donc voilà, vous vérifiez que voilà, que là c'est bien aplati, que c'est bien propre et que ça adhère bien et que les plis sont bien faits. Attention, n'allez pas craquer votre papier à la force de ah, parce que ça c'est pareil, ça m'est déjà arrivé. C'est la peur que ce soit pas bien machiné. Je machine, machine, machine et paf, je craque le. Bon bah voilà quoi. C'est vraiment, on se calme, hein, on tranquille. Hein. Donc on fait ça et on n'insiste pas trop quand même pour pas déchirer notre papier. Voilà. Et là, on regarde, c'est beau, c'est propre. Vous voyez, c'est super, on est super content, super content. Voilà. Pendant que, pendant que c'est là, eh bien, on va faire les côtés maintenant, d'accord? Hein? Voilà, on pourrait laisser comme ça, c'est très joli. Hein? Alors, on va prendre deux morceaux, hein, pour mettre un là et un là. Donc, on va faire ça. Regardez, on va regarder comme ça, là. Hop, on va l'entamer. La feuille, on va l'entamer sur la tranche, comme ça. Voilà. Voilà. Ouais. Parce qu'on n'a pas assez de papier, on n'a pas un papier assez grand, donc on va entamer comme ça. Et puis voilà, on va faire ça, tout simplement, tout simplement. Alors là, comme il me faut 17, n'importe quoi, 12, oh là là, n'importe quoi, 12, 12, et là, ça fait 30, c'est ça? Eh bien, à 15, on va couper la feuille, là, je vais la couper en deux, hop, c'est une feuille coin-coin, je vais couper en deux, hop, voilà. Voilà, je la plie en deux, je vais la couper, hop, et comme ça, j'en vais avoir une de chaque côté. Voilà. Hop, voilà. Une fois, deux fois. Adjugé, vendu. Voilà. Un pour là. Voilà. Hop, comme ceci. Et un pour ça. Là. D'accord? Vous mettez le côté bien, bien net sur l'extérieur. Non, l'intérieur. Pardon, pardon. Hein, ici, là. Le côté qui est super bien. Bien, vous le mettez ici. D'accord? Hein, voilà. De toute façon, même si après vous matez, hein, c'est juste pour que ce soit, ça dépend de votre déco. Et là, j'ai dit il faut faire ça, puis souvent, ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais faire ça moi. Hein, d'accord? Et puis pareil, allez, on va coller, tout simplement. Hein. Parce qu'après, il faut quand même laisser reposer, parce que là, vous voyez, je travaille avec la colle blanche, il faut laisser reposer, que ça sèche bien, gentiment et tout ça. Hein, d'accord? Alors là, je vais donc travailler dans ce sens-là. Et là, je vais poser de la colle. Ouais, je vais poser de la colle ici. Parce que le problème avec le papier noir, c'est que par contre, les traces de colle, alors là, ça se voit. Ça fait de la brillance, vous savez. Ça fait des brillances, ça fait tout ça. C'est le noir, c'est difficile à travailler. Je trouve que, je vous l'ai dit hier, hein, le plus facile, c'est le blanc. Le blanc, juste le blanc. C'est le blanc, ça y est, ça recommence. Non, le plus facile, c'est le blanc. Pourquoi le blanc? Bah, parce que les traces de colle blanche sur le blanc, bah, ça ne se voit pas, quoi. Bah, non. Donc, c'est vrai, c'est bien quand on est débutant aussi, hein, débutant, eh bien, travailler avec le papier blanc, ma foi. Voilà, bah, déjà, c'est joli le blanc, hein, c'est joli. Et puis, ça va vous mettre en confiance. Vous allez. Donc là, j'ai débordé un petit peu sur hein, un petit peu, regardez, hop, c'est tout. Hein. Je fais comme ça, moi. Hein. Et puis là, je vais donc me coller là, comme ça, me coller là. Hop. C'est moi qui décide de ce que je laisse là vers la tranche. C'est moi qui décide. Hein. Je fais ce que je veux, hein, de toute façon. Voilà. Hein. Voilà. Voilà. Et là, hop, je fais ça. Voilà. Hop là. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'étale. Enfin, il faut. Comment dire? De toute façon, ça va être maté. Je m'en fiche. Je ne sais pas pourquoi je m'applique. On s'en fout là. Qu'il y ait des traces de colle. Ça sera maté. Hein. Mais bon. Et vous marouflez. Mais vous marouflez. Voilà. Pas que ça déborde trop de ce côté-là. Hein. C'est la zone, sinon. Et vous marouflez pour qu'il y ait bien de la colle partout, partout, partout. Hein, voilà, un papa. Hein, oui, c'est rien de difficile à faire ça. Et là, donc, on va coller l'autre côté. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Hop.
Et moi pendant ce temps-là, ni nanana, et moi pendant ce temps-là, je tournais les manivelles, ni nanana. Ouais, vu l'accident terrible, là, les jeunes qui sont morts, là, et les deux personnes âgées, tout ça, là, dans l'accident, là. C'est terrible. J'aime bien parce que. Enfin, j'aime bien ces façons de parler. On dit que les petits vieux, il faut plus qu'ils conduisent et tout ça. Bon, c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des gens au volant, waouh, waouh, waouh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, il n'y a pas que les vieux hein, qui font des accidents. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. C'est pas eux qui roulent comme des fous et tout ça. Hein. Non, pas du tout. Hein. Enfin, bref. Bon, enfin, ça me fait un peu de la peine parce que vous savez, parce que quand vous êtes vieux et que vous êtes seul, si on vous supprime votre moyen de transport, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus qu'à crever, quoi. Vous restez chez vous enfermé, voilà. Hein, alors oublions les campagnes, hein, parce que quand vous habitez à la campagne, ben, vous avez rien. Hein, vous avez peut-être la chance d'avoir une boulangerie, une malheureuse boulangerie. Enfin, je dis malheureuse boulangerie. Je veux dire que la pauvre boulangerie, elle est obligée de faire l'épicerie, la machin et tout ça, de tout faire pour vous vendre votre bouteille de gaz, machin, tout ça, pour pouvoir vous dépanner. Parce que ben, y a, enfin, ça m'énerve, ça m'énerve. Et combien il y a de gens comme ça qui sont bloqués à la campagne? Qui sont âgés, qui sont bloqués à la campagne, qui peuvent même plus sortir parce que. Alors, si on les empêche carrément de conduire, man. On va les empêcher de conduire. Non, mais allô, quoi. Et les jeunes, là, qui se droguent et qui conduisent et qui tuent les gens aussi, là. Et tous ceux qui font n'importe quoi. Ça m'énerve, mais ça m'énerve tout ça. Ça m'énerve. T'as compris, quoi. Oh, yeah. Bon, enfin, bref. Donc, vous voyez, oh, ça fait joli, regardez, on a fait un A, on a fait. C'est beau, hein, c'est très beau. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va rabattre, tout simplement. Voilà. Allez, on va, comment dirais-je, on va biseauter. Hein. Vous avez vu, je fais plein d'efforts pour vous, hein, pour vous faire plaisir. Nous allons biseauter, biseautons, biseautons. Je vous ai déjà dit beaucoup, beaucoup de fois, biseauter, c'est bien, mais sans excès. C'est-à-dire, il faut laisser, hein, là au coin, là, laisser du papier, laissez-en plus que pas assez, parce que si c'est pas assez, eh bien, c'est la loose. C'est la loose. Il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. C'est pareil, j'ai un outil. Les outils qui se vendent pour ça, c'est très très bien, c'est merveilleux. Hein, franchement, quand on peut les avoir, eh bien, tant mieux. Voilà, mais si on ne les a pas, on fait comme je fais là. Hein, hein, vous voyez, hein. Et puis voilà. Voilà. Là, je laisse en exagérant. Il y en a trop. Hein, il y en a carrément de trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà, vous allez. Coller. Alors, et puis c'est pareil, je vais coller là, je vais coller comme ça, je vais commencer par le haut. Alors, commencez à bien bien marquer les plis comme ça. Hein, voilà, vous marquez bien les plis comme ça, vous lui faites bien le mouvement, lui faire accepter la forme de votre structure. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop, hop. Voilà, on fait ça. Bon, je vais déjà commencer par rabattre le haut et le bas, mais on pourrait faire les côtés en premier. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Et je mets que de la colle. Là. Hop. Et vous marouflez. Voilà. Hop, en haut. Hop. Je fais un petit peu en temps réel là, bah c'est pour voilà, que vous sachiez combien de temps à peu près il faut pour faire ça. Considérant que je fais toujours des. Mais en parlant, on peut travailler, hein, ça perd pas de temps de parler. Non, ça perd pas de temps. C'est ça. Voilà. Hop, voilà. En haut, en bas. Et le bas peut devenir le haut si vous retournez tout. Le haut est en bas. Le bas est en haut. Hein. De bas en haut. Hein. J'en mets bien dans le coin là. Hein. Là. Là.
Qu'est-ce qu'il y a comme rumeur que, qu'est-ce qu'il y a comme rumeur que il y aura plus de scrap, il y aura plus rien chez Action et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs, n'importe. Mais pourquoi il y a des trucs comme ça? Pourquoi les loisirs créatifs, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, hein? Depuis la nuit des temps, on travaille les perles, les machins, les tout ça. Pourquoi il y a des rumeurs à la, moi pour moi c'est des rumeurs à la mort moelle-neuve, ça, hein? C'est pour faire causer, pour faire du buzz sur YouTube, non? Enfin, je sais pas, c'est pour qu'il y ait des vues, non? Pour qu'il y ait des vues, je sais, franchement, je trouve ça, mais je trouve ça tellement n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, punaise. Mais les gens, pourquoi vous dites des trucs comme ça, certains? Je sais pas, je sais pas. Parce que les rayons se vident, on pourrait dire que ça va être la guerre, hein, c'est parce qu'il va bientôt y avoir la guerre, les rayons se vident, on n'est plus fournis, n'importe quoi. Mais enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Tout évolue, les produits évoluent, les destinations, ça vient d'autres pays, d'autres contrées, parce que ça, par contre, ça c'est vrai, ça. Le Made in Chine. Il y a plein de gens qui sont contre, alors bah, bon, bref, enfin, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou alors, je veux bien croire que les gens, ils veulent plus écrire, ils veulent plus faire de cartes et tout ça. Bon, c'est vrai que la carterie, oui, bon, c'est vrai ça. Les gens, ils écrivent plus, ça les gonfle. Enfin, de toute façon, on sait plus écrire. Hein, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les gens, ils veulent pas écrire parce que déjà, une, ils savent pas écrire. Et ça, c'est la vérité. Ils savent pas écrire. Les gens, ils savent plus lire, ils savent plus écrire. Enfin, bon, en exagérant un peu, moi, je crois que c'est plutôt ça. C'est qu'ils veulent pas, ils veulent pas montrer que ben, ils font plein de fautes pour ceux qui. Mais c'est, et c'est triste. C'est vraiment triste. Hein, franchement. Hein. C'est triste parce que c'est ça en fait, la carterie, voilà ce qui se passe. Je pense que c'est ça plutôt, hein. Et que effectivement, ben, les gens ils en font plus parce qu'ils écrivent plus, ben, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'ils voudraient pas, c'est que ils peuvent pas. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je suis quasiment sûre que c'est plutôt ça. Mais les albums, tout ça, c'est pareil. On a nos photos sur les téléphones, sur les ordinateurs. Alors, les gens, ils veulent plus se casser la nénette à faire des trucs eux-mêmes. Mais y a tout, non? Il y a tout. Y aura toujours des gens qui aiment travailler le papier, la colle, la matière. Enfin, je veux dire, je sais pas. Bon, moi, je trouve ça bizarre. Mais regardez, c'est beau, hein? Faut s'appliquer, vous avez vu ça? Ça met du temps à faire ça. Ça met du temps. Bah oui, je sais bien. Hein. Vous avez vu, donc là, j'ai mis trop, j'ai coupé trop. Eh bien, je le rentre bien à l'intérieur. Vous voyez? On prend son temps, on fait ça tranquillement, tranquillement. On marque le coin là. Hop, pour que ce soit joli, 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 tout plein. Hein. Voilà. Joli, tout plein. Et puis, on est content, content, content. Hop, on épouse la forme du truc là. Hop, hein. Puis c'est tout, on fait ça. Puis on dit qu'on est content, content, content. C'est ça. Ouais, enfin bref. Non, non, enfin bon, moi je serais peut-être. Je serais morte, ça c'est sûr, je serais morte avant de savoir que plus personne ne fait de. Ne travaille le papier. Ne travaille le papier, hein. C'est ça. Hop là. Alors, je croyais que les mails, parce qu'on n'envoie plus de courrier, on n'envoie plus de courrier, on n'envoie plus rien parce qu'on fait du mail, du mail, du mail. Sauf que les mails, ça pollue le. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que toutes les boîtes mail et tout ça, les messages, la messagerie et tout ça, c'est une catastrophe hein, pour la planète. Hein. Une catastrophe, une catastrophe. Hein. Alors, ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'envoie plus de mails non plus? On n'envoie plus de courrier, on n'envoie plus de mail. Comment on fait alors pour communiquer? On communique plus, ouais, c'est ça. Alors donc voilà, on a ça là, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Hein. Alors hop, alors là je vais bien nettoyer ma plaque. Pourquoi? Parce que hop là, si c'est sale les traces de colle sur mon noir là, voilà, hein, voilà, la colle sur le noir, comme je le disais, eh bien c'est la catastrophe. Ah mince! Hop, et donc. Je prends mon temps aujourd'hui, j'ai le droit.
Voilà, vous pouvez ça accélérer, c'est ça. Hop là, on est mercredi, c'est ça? Ah oui, demain c'est le sketch. Hein. Moi je pense déjà au sketch, c'est ça. Il m'en reste un de Catherine, le dernier. Et puis je crois que c'est Ariel qui m'en a envoyé un. Mais alors le problème, c'est. Enfin, le problème, je crois qu'elle m'en a envoyé. Il me semble que c'est Catherine qui m'en a envoyé un, ou je sais plus qui, je sais plus. Vous êtes deux, trois à m'en avoir envoyé, donc je sais pas, on fera le. Bon, je sais pas lequel, on verra bien. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi? Je sais plus. Non, je voulais dire un truc. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus ce que c'est, dit donc, non? Non, je sais plus. Voilà. Voilà. Je vais couvrir l'intérieur à présent. Mais à présent, ah, là, là, là. Ah oui, demain c'est le sketch. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais toujours pas. Hein. Non, non, je ne sais toujours pas ce que je voulais dire. Pas du tout. Et là, je vais faire un seul morceau. Un seul morceau. Est-ce que ça c'est bien? Non, c'est trop court. Je m'étais dit, tiens, je vais utiliser une chute, ma cache. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, ça... et là, et là. J'essaie de trouver une chute qui irait. Hein, mais non, ça, je l'ai dans le, hein, dans le pet. Il n'y a rien qui va. Non, rien. Et là, trop court aussi. Bon, vous avez compris, quoi. Bon, alors, tant pis, on va faire un morceau. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oh, non, non. Je vais prendre du papier, mais pas trop épais. L'entre-deux, là. Il y en a de l'entre-deux, non? L'entre-deux. Regarde. J'ai peur que ça. Non, non, je vais pas prendre de entre-deux. Non, non, j'ai peur. J'ai peur que ça craque, machin. Toujours peur, moi. Allez, hop. Et puis là, je vais mettre un morceau à l'intérieur qui fait, bah, qui fait kiffer. Hein. Qui fait kiffer. Ah, hein. Oh, tiens, c'est bien, ça, c'est pile poil les noms. Hein? C'est Razibus, c'est peut-être un peu trop, faut pas exagérer. C'est pas mal. Hein? Alors, hop là, je vais prendre un morceau. Donc, qui fait 29 et demi, 29 et demi sur 16 et demi. 29 et demi, 16 et demi. 29 et demi, 16 et demi. 16 et demi, hop. 16 et demi. Hop. Sur 29 et demi. Voilà, ça me fait couper un tout petit bout, mais c'est pour que... Mais vraiment... Hein, mais c'est important ce millimètre. C'est important. C'est important. Aïe, aïe. Et puis, hop, c'est parti. Donc, je vais poser de la colle, hop, comme ça. Et je vais poser ça comme ça. Hop, ça sera très joli, très beau, très propre. Hein, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti. Pour ce faire. Alors, le double face, c'est l'avantage que ça dégoulinera pas sur les côtés quand on va coller. Hein. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est étaler la colle au pinceau. Comme ça, vous n'aurez pas de débordement. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai un pinceau sous la main, je le ferai là. Hein. C'est bien d'étaler la colle blanche souvent au pinceau. Hein. J'ai un pinceau exprès pour ça, mais je pense qu'il est passé, c'est comme d'hab, donc vous avez compris quoi. Vous étalez avec votre doigt, sinon, puis c'est tout. Puis après, vous passez votre doigt sous l'eau, hein, vous n'êtes pas, hein, d'accord? Pas très grave. C'est pour être sûr que tout soit bien collé, vous voyez? Hop, et puis que ça déborde pas quand vous allez étaler. Ouais, vous faites ça avec votre doigt, hein, c'est pas grave. Hein. On tartine, on tartine. Comme ça, hein, vous voyez, hein? Voilà, d'accord. Hein? Il faut être des jolis dessins. Hein? Il y a une youtubeuse, je sais pas laquelle, un jour je l'ai vue là, comme ça, on se... elle écrit à chaque fois un petit mot avec sa colle blanche là. J'aime bien. Hein? C'est sa marque de. C'est sa marque et j'aime bien. Moi, je trouve ça super sympa. Je sais pas qui c'est. Hein. Franchement, honnêtement, c'est pas que je veux pas là. Mais je sais qu'il y a une fille qui fait ça. Et je trouve ça rigolo. C'est vraiment. Voilà, c'est.
Hop là. Et donc là, on colle, on colle, on colle. Tout simplement, on colle la base sur la base. Je vais aller me laver les mains du coup, parce qu'évidemment, je vais foutre de la colle partout, bien là-dessus. Je fais tout en direct, vous avez vu, en direct de NG, Craft Joy, tout ça. Hop là. L'avantage avec la colle, c'est quand même qu'on a le temps justement que ça sèche. Hein. C'est quand même pas illico presto, donc on a une marge. Et c'est l'avantage de la colle blanche. Voyez, hop. Et on peut, hop, vous avez, voyez, oui, c'est quand même un avantage. Hein. Il n'y a pas que des inconvénients à travailler la colle. Il y a aussi des avantages. Et donc là, voilà, vous, hop, j'ai les mains un peu mouillées, c'est des gouttes d'eau. Pas grave. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on fait? On maroufle, on maroufle, on maroufle. Très important pour qu'il y ait vraiment de la colle partout. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Vous marouflez bien. S'il manque de la colle là sur les coins et tout ça, vous prenez un petit bout de papier, vous insérez de la colle avec votre petit bout de papier. C'est important, ça doit être très très bien fait cette partie-là. Hein. Et tout le reste aussi d'ailleurs, mais bon. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez les plis de la tranche. C'est important aussi. Attention, faites pas. Parce que quand on marque les plis comme ça, moi, ça m'est souvent arrivé de déchirer mon papier parce que avec la colle, ça humidifie le papier. On a tendance à vouloir faire bien. Et en faisant le bien, vous savez, l'ennemi du bien, c'est le trop bien. L'ennemi du. Hein, vous avez compris? Si. Eh bien, on se calme. Hein, parce que comme c'est très humide, très machin, eh bien. Eh bien, vous allez déchirer votre papier. Voilà, c'est sûr et certain, puisque ça m'est déjà arrivé. Donc, je sais que ça peut faire ça. C'est ça. Donc, là, hop. Et voilà. Et puis, ben, il faudrait que ça sèche gentiment, tranquillement. Sauf qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Non, on n'a pas toute la vie. Donc, voilà. C'est hyper joli, c'est hyper beau, c'est hyper propre. Super contente, c'est super joli. C'est bien réussi, ça c'est du bon boulot. Tinaninani, c'est du bon boulot. Tinaninanina, tinanina. Non, je ne chanterai pas les paroles. Hein. Mais vous la connaissez toutes. Un dimanche matin sur ma mobylette avec ma nanati. Je lui mets la main, ninaninana, direction nanana. Tu ne les verras plus, j'en ai fait des brosses. À 10 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Je sais, c'était n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête, mais on s'en fiche. Alors, donc ça, c'est bien. Et il faudrait attendre comme ça, voilà. Hein, et puis, on se revoit demain. Non, n'importe quoi. Demain, c'est peut-être un peu loin. Je suis très fière. Très fière. Mais je suis fière, et je suis fière, et je suis fière de ma petite structure. Maintenant, on va poser la tranche. Sur la tranche. Parce que moi, là, je vais pas la décorer. Enfin, je veux dire, la tranche, là, je vais la laisser noire. Noire sur noire. Et là, je vais coller ma tranche sur ma structure. Ça fait 10. Ça fait 17. D'accord? Alors, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas grave. Alors, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pile poil. Oh, ça va être trop magnifique. Ça va être très joli, ce petit album. Hein, ça va être la classe. Alors, on va mesurer. On va se faire des petites marques. Hein, on prend sa petite règle et son petit crayon de papier. Voilà. Tenez. Hop là. Un petit crayon de papier, une petite règle. Et là, bon, on a le pli. D'accord? On va coller la tranche sur un. Donc, on va se mettre un 1. Et puis, on va se faire des petites marques. En haut. Donc, 10 moins 10, ça fait 7 cm. Donc, 3,5, 3,5. Donc, là, de haut, là, vous faites une petite marque à 3,5. Alors, vous ne vous mettez pas trop au bord parce que le crin de papier, ça va se voir sinon. À 3,5, vous faites une petite marque. Hop. Une petite marque à 3,5 là. Hop, hop. Là, vous faites une petite, pas trop. Hein. C'est juste pour que vous ayez un petit repère. Vous n'êtes même pas obligé de la tirer, la ligne. Hein. Moi, je la tire, c'est pour vous montrer que vous faites une petite ligne là. Hein. J'ai vraiment pas appuyé beaucoup. J'ai pas envie que ça se voit. Normalement, je le fais pas, ça, mais c'est pour vous. À 3,5 là, vous faites une petite marque. D'accord? Et vous faites pareil en bas. À 3,5, hop, vous faites un petit trait là, comme ça. Hop, hop, hop. Tout mignon, mignon. 3,5, hop, à 3,5, hop, hop. Voilà. Et là, vous faites une petite ligne. Pas appuyer beaucoup. C'est juste pour. Hop là. Voilà.
Et là, vous savez, ça se voit un petit peu, hein, vous savez que ici, là, vous allez poser votre tranchette, enfin, votre machin, là, votre système. Vous allez le poser comme ça, hop là, hein, en haut, en bas, vous serez bien calé. Sur les côtés, bah, de toute façon, vous avez là. Et puis en haut et en bas, vous avez bien l'emplacement. Ok, on fait ça. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais mettre de la colle. Pareil, colle blanche. Je l'ai un peu. Attendez. Hein, vous mettez donc la colle blanche. Hop, attendez, je remets ça un peu comme il faut. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais mettre de la colle blanche sur tout mon truc là. Idéal pour le papier, le bois et le papier. Bon, ça va être très bien. Hein. Non, parce que normalement, je mets du double face. D'habitude, je mets du double face, mais là, je me dis, je vais tout faire à la colle blanche. Parce que je suis sûre que ça ira très très bien. Allez, on disait qu'on avait confiance en la colle. Parce que je me suis dit que j'allais la tester comme ça, cette colle. Je me lance des défis à moi-même, hein, tout à fait le droit, c'est ça. Normalement, la colle blanche, vous savez, c'est très très bien. Hein. La colle de chez Action, là, la colle machin truc, là, elle est vraiment très bien. Hein. Je l'ai utilisée pendant longtemps, 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 hein, cette colle. Hein. Hop, donc pareil, hein, vous, hop. Alors, toujours pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez, parce que si ça déborde, là, les traces de colle, ça va se voir après sur la tranche. Donc, c'est un peu dommage, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étaler au pinceau ou au doigt, pareil. Voilà, je regarde ce qu'il a, mon petit loulou d'amour. Donc, je mets bien de la colle, hein, vous avez vu, j'exagère. J'exagère, hein. Non, j'exagère pas, hein, je veux vraiment que ce soit bien collé. Hein, parce que c'est les pages et tout, si vous rajoutez des pop-up, des machins, il faut que ce soit, hein. Donc, vous étalez bien comme ça, hein, votre petit doigt. Hein. Vous remplissez bien tous les creux, machin, tout ça. Vous mettez bien de la colle tout partout. Hein, regardez, c'est hyper important. D'accord? Et regardez, faut que votre papier noir il soit devenu tout blanc, tout blanc, tout blanc. Voilà. Et une fois qu'il est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, regardez, ah, t'étais beau. Comment transformer du papier noir en blanc? Eh bien, vous l'induisez d'erreur. C'est ça. Vous renettoyez votre doigt. Ah ben si. Après, vous avez les mains qui sont très très propres. Surtout avec le Covid qui traîne en ce moment. Je me suis demandé si je ne l'avais pas chopé, moi, parce que je suis super essoufflée, mais super essoufflée. Vous savez, j'ai chopé le premier Covid, le tout premier Covid. Vous saviez, enfin, si vous saviez, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont chopé le premier Covid, mais alors, moi, j'ai morflé, je ne pouvais plus respirer, je pouvais même pas. Quand je promenais mon chien, même en. J'étais tout le temps essoufflée, affreux. Et là, je suis très, très, très essoufflée. Bon, je sais bien que je mange beaucoup de bêtises et que ça y fait. Hein. Ça encombre, ça me bouche les artères. Je vais caner bientôt, faire un arrêt cardiaque, ça continue. Je suis hyper essoufflée et tout, et je me suis dit, ça se trouve, j'ai encore chopé un bout de Covid. Je sais pas, j'ai quand même des doutes, je suis tellement, tellement, je suis essoufflée. Alors là, donc vous collez votre base, là, comme vous êtes bien, là, vous êtes bien, c'est facile comme ça. Vous avez juste à poser entre les deux lignes, pouf, pouf, entre les quatre lignes, puisque là, le pli, c'est, hein, d'accord? Entre les quatre lignes, vous pouvez pas vous tromper si vous faites bien ça comme il faut, d'accord? Vous allez faire un joli petit album super beau, super propre, vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, vous avez posé votre truc d'un coup comme ça, d'un seul, hop. Et puis, vous allez appuyer pour faire adhérer donc votre truc, hein, comme ça, votre truc, là, vous avez compris. Votre truc à la partie, là, hein. Ça va, mon cœur? Voilà, hop. Faites attention que votre colle ne déborde pas. En tout cas, si ça déborde, vous retirez tout de suite avec votre ongle, avec voilà, un petit bout de papier sopalin ou, hein, d'accord? Faut que ce soit joli, joli. Ah, ça va être très, très joli, hein. Franchement, hein. Vraiment très beau. Donc, on va laisser sécher gentiment comme ça. Pendant ce temps-là, hein, on ne va pas coller tout de suite nos pages, machin, parce que sinon, bah, on va tout flinguer, ça c'est sûr et certain. On est déjà à 1 heure. Mais là, en fait, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non. On va mettre les enveloppes ensemble et tout ça. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à décorer, mater et mettre éventuellement vos pop-up. Hein, d'accord? Donc, on va laisser sécher. C'est très, très important. Je vous assure, c'est vraiment hyper important.
Eh bien, maintenant, on va, pendant que ça se fait, on va préparer nos enveloppes. Alors, vous prenez quatre enveloppes, le papier de vos rêves, les enveloppes de vos rêves. Il y en a de toutes sortes, de toutes couleurs. Amusez-vous, hein, suivant ce que vous allez choisir comme bloc de papier. Moi, je prends un vieux bloc de papier que j'ai depuis hyper longtemps. J'ai dû faire des choses avec, mais je ne sais plus quoi, mais peu importe. Donc, je vais prendre moi ce papier-là, bien sûr, mauve, dans les tons mauves. Pourquoi? Je vous explique pourquoi celui-là. Vous prenez ce que vous voulez. Déjà parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est la pleine lune. On a envie d'y mettre des loups, des loups-garous, des trucs comme ça. Ou des jolis papillons qui s'envolent en pleine lune comme ça. Ou des oiseaux. Ou alors du Halloween. Ou des chauves-souris. Enfin, vous avez compris. J'adore ce bloc-là. Et alors, j'adore cette image-là. Regardez cette image où la fille, elle regardait. Elle regarde le ciel, là, et elle parle à son papa, hein, j'en suis sûre. Hein. Je voudrais oublier le temps, pour un instant, une parenthèse entre la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps. Enfin bref, vous avez compris, j'aime beaucoup ce bloc. Et donc voilà. Alors pourquoi? Parce que donc je vais travailler les enveloppes. Et dedans, il y avait. Non, ben, j'ai rêvé. Ah non, j'ai pas rêvé. Il y a ces cartes là. Vous voyez, c'est des cartes. C'est des cartes, elles sont super. Derrière, c'est uni. Et là, c'est des cartes. On peut mettre des photos dessus. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Il y en a 6. Je vais travailler avec 6 enveloppes. Pourquoi 6? Je vais en mettre 6 po 4 pochettes comme ça. Hein. Et puis une là, normalement, ça devrait le faire. Et une là. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, je vais faire ça, moi. Hein. Je vais faire ça, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je prends 6 enveloppes, mais là vous n'êtes pas obligé vous de mettre des enveloppes là sur les couvertures, hein. Vous pouvez, je sais pas quoi mettre, moi je sais pas quoi mettre, on sait rien moi, d'accord? Moi je vais mettre des enveloppes. J'ai envie de travailler un peu comme ça. J'ai jamais fait ça, enfin j'ai jamais fait, non j'ai jamais fait ça parce que c'est pourtant il n'y a rien d'extraordinaire, mais je n'ai jamais fait ça, hein. Et là je mettrai hop une cartounette. Hein. Et puis je vais laisser comme ça. Alors là, c'est comme ça. Et puis il m'en faut 4 autres. Alors. Et dans chaque enveloppe, je mettrai une carte comme ça pour mettre des photos. Hein? D'accord. Donc, tout ça pour dire que comme moi, je mets des enveloppes ici, eh bien, je ne vais pas mater. Je ne vais pas mater puisque je vais mettre une enveloppe là et là. D'accord? Hein? Qui s'ouvre comme ça sur l'extérieur. Je fais ce que je veux, j'ai le droit. Hein? Non, mais dites donc. On aime ou on n'aime pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. OK? Et puis les 4 autres. Alors les 4 autres, ce que je vais faire, par contre, là, je vais, j'ai un doute. Soit je fais comme ça, je les laisse ouvertes comme ça, mais je vais les fermer et les rouvrir ici. Comme on fait, vous ferez ce que vous voulez, d'accord? C'est juste, moi là, je les ferme. Hop. Je ferme. Une. Deux. Hop, ça. Trois. Et 4. Hop là, voilà. D'accord? Ensuite, je vais les rouvrir. Vous savez, on fait ça dans les enveloppes. Hein, alors là, on va les rouvrir, mais pas beaucoup, hein, un millimètre là. On les ouvre juste un tout petit millimètre. Alors je les ouvre à l'opposé, parce que là, c'est le système. Je les ouvre aux fesses. Hein, aux fesses. Allez hop, on lui fait un trou aux fesses. Mon pantalon est décousu, mais si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Et là, hop là. Et je retire exactement la même chose à toutes mes cartes. Là, c'est peut-être même un peu trop. Ouais, oh. Ouais, c'est un peu trop. J'aurais pu faire un peu moins. Ouais, oh. Ça va aller, hein. Ça va aller. De toute façon, ah, ça ira, ça ira, ça ira. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si je pourrais en prendre d'autres, mais bon, on va se calmer. Donc, hop, hop. Hop, Tagada de soin de soin. Ah oui, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, un album Tagada de soin de soin. Les dimensions. Bah, les dimensions, tiens, ça pourrait être un truc de Tagada de soin de soin, ça. Hein. On peut. Hein. Bon, c'est pas vraiment adapté pour un Tagada de soin de soin. Tagada de soin de soin, l'album qu'on a fait.
On fait une reliure, justement en L là. Enfin, moi j'appelle ça en L. Vous faites là, vous faites là, c'est votre page, et puis vous rajoutez un centimètre ou un demi-centimètre, hop, et puis vous collez comme ça, l'une à côté de l'autre, vos plis, hein, sur une tranche. C'est le plus facile, ça. Enfin, c'est le plus facile. Oui, c'est très facile. Mais ça vous permet pas de mettre des pop-up, des machins, des trucs dessus, parce que c'est quand même moins costaud que ça, par exemple. Ça, c'est vraiment costaud comme structure, hein. Vraiment très costaud, hein. Alors ensuite, eh bien, j'ai fait ça. Et regardez ce qui va se passer. On va le faire à la fin, hein. On va déjà les décorer, les mater tout bastringue. On va ça, les coller, les insérer comme ça. Hop. Et alors, on va les insérer comme ça. C'est facile parce que c'est vous qui allez décider de la hauteur. J'ai fait 10 cm, donc là, sur l'enveloppe, hein, voilà, comme ça. Et puis, une fois qu'on a posé la première, la deuxième, eh bien, hop, on va s'aligner sur la première, comme on a fait hier pour là. On va faire ça, on va faire ça, que ce soit bien aligné en haut et en bas. Pouf, pouf, on fait ça. On peut même travailler couché comme ça, hein. Pas besoin d'être comme ça, là, hein. D'accord? Ok, on va le faire ensemble, de toute façon. Mais il est combien? Il est 1h05. Mais avant, on va donc les mater, les décorer. Ici, on va faire ça. Ce qu'on peut faire, justement, puisqu'on a beaucoup de place, on a beaucoup de place, on pourrait donc s'amuser à rajouter donc des pages sur nos enveloppes. Hein? On pourrait. C'est-à-dire, on peut le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Donc, on va le faire hors caméra. On est à combien de minutes? On est à 1h10. Donc là, mon enveloppe, maintenant, elle fait, maintenant que j'ai retiré ça, là, ça pour ouvrir, hein? Eh bien, maintenant, mon enveloppe, elle fait combien? Elle fait 11. Elle fait 11. Eh bien, je vais faire des pages qui font 21. 21 sur 21 sur 16. 21 sur 16. Je vais en faire 4. Ouais, 4. 21 sur 16. Je vais prendre, hop, du papier. C'est optionnel, mais là, on va faire ça. C'est pour que vous puissiez poser des pop-up au cas où. 21 sur 16. Alors, pour ce faire, j'en prends une, j'en prends deux. On va en faire 4. Alors, pourquoi ce qui, on va pas faire 16. Non, on va pas faire 16. Pourquoi? C'est pour pas gâcher. On va prendre une feuille coin-coin. Hop là. Du costaud. Hein. Je prends du costaud, là. Donc, 21. C'est la hauteur. C'est la hauteur. N'importe quoi. N'importe quoi. 21 sur 16. Donc là, je vais faire ça. Je vais plier en deux. Pour que ce soit exactement égal. Je marque le pli, hop, 21 sur 16, hop, 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 je plie en deux, comme ça, et je vais en avoir 4, une pour chaque enveloppe. Voilà, je vais couper, hop, et ce sera des pages supplémentaires. Ça, c'est maintenant, c'est accessible à tout le monde, vous coupez votre page en deux, hop. Hop, une, deux. Hop là, 3, 4. Hop là. Wani walou. On a 4 fois exactement la même chose. Comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes dimensions sans trop se fatiguer. Ça, on va le plier en deux. Donc, ça fera des bases de cartes, si on veut dire. Si on peut dire. Hein. Voilà, si on peut dire. Hein. On peut le dire, hein, on peut le faire. Vous pliez ça en deux. Une. Deux. Trois. Voilà, hop, 1, 2, 3, 4. Alors, ce qu'il est possible de faire, parce que c'est vrai, je voulais faire des trucs pochettes, mais en fait, j'ai pas fait des trucs pochettes là. Je voulais faire ça, je voulais insérer ça comme ça dans ma tranche, hein, et puis l'autre côté, l'ouvrir, et puis insérer une pochette comme ça, et puis voilà,
On la retire, hop, on peut la récupérer. On va faire ça. D'ailleurs, on va faire ça. On va faire ça, c'est sûr même. C'est sûr. Là, la pochette, on va l'ouvrir pour la coller et l'ouvrir de ce côté-là pour faire. Oui, ça sera bien. Oui, ça sera bien. Ça sera. On disait que c'était très très bien. Ça m'évitera de. Ça me fera des pages supplémentaires. Ou alors, donc, vous pouvez en insérer là, comme ça, et puis coller ça dessus. Et puis voilà. On peut même rajouter ça, faire une pochette quand même. On va faire ça. Oh, ça va être dingue. C'est parce que pour vous montrer qu'on a beaucoup de possibilités avec les enveloppes. Alors, oui, on va faire ça. Ouais, ça sera super. Donc, on a fait nos 4 pages là supplémentaires. Parce qu'on a 1 cm à chaque fois entre les pages. Donc, on a beaucoup de place pour mettre des choses. Hein. Donc là, on a 4 cartes. Super génial. Qu'on va insérer comme ça dans l'enveloppe. Alors, maintenant, on va. Ouais, allez. Donc, j'ai coupé une extrémité. Et l'extrémité là où il y a le 1, hein, je vais recouper aussi. Je coupe les deux. Si je fais ça, je vais faire ça. Ouais, c'était pas prévu de faire. Enfin, c'était prévu de faire des pochettes. Et puis je sais pas ce qui m'a pris là. Ouais, j'ai un peu. Et là, je vais retirer aussi 1 mm. Mais vraiment, 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 très très peu, très très peu, très très peu. Même, je sais même pas si je vais réussir. Je vais vraiment. Oh mince. Parce que si. Vous voyez, sinon ça va l'abîmer. Alors, elle veut pas ma machine couper moins que 1 mm. Elle n'est pas d'accord tout à fait. Donc, hop, voilà. Je recoupe, hop, hein. Et vous voyez, ça, il faudrait coller l'enveloppe bien comme il faut. C'est pour ça que je veux pas. En général, je prends pas ce côté-là pour, hein, mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. Donc, hop, je vais retirer 1 petit millimètre comme ceci. Hop, voilà. Hop, 2, voilà, super, 3. Ouvrir les deux côtés en fait. Hein, je vais ouvrir les deux côtés et puis c'est tout. On disait qu'on était content. Et 4. Hop. Oups. Voilà. Comme ça, on aura plus de. Je regarde si c'est tout parfait. Voilà, elles sont toutes exactement pareilles. On est très heureux, très heureux, très heureux. Hop là. Alors. Eh bien, finalement, donc, je vais mater. Recto, verso. Recto, verso, on va mater. Hein? Ok, on fait ça. Donc, vous voyez, on a ça. On a ça maintenant. C'était pas du tout prévu comme ça. C'est pas grave, j'adore. Donc, on a ça. Et qu'est-ce qu'on va faire chacun de notre côté là? D'accord? Parce que ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'avec le papier de vos rêves, vous allez mater ce côté-là, ce côté-là. On va mater les deux côtés avec le papier de ses rêves. Alors, moi là, du coup, maintenant, ma page, elle fait combien? Elle est de plus en plus petite, vous savez. C'est ça. Ça fera, non, ça sera parfait. Ça fera 10, 10 et demi, 10 et demi. Mais alors, je vais mettre 10,2, 10,3, hein, sur ben, 16. Hein, 16, c'est vraiment parfait, 16. Hein, ou 15,8, vous voyez, hein, pour que, voilà. Alors, je vais mater tout ça recto verso avec le papier de mes rêves. Et dès que tout ça, c'est fait, on va se retrouver. Il est 1h13. Il est 1h13. Ça fait 1h13 qu'on est ensemble. Donc, on fait ça. On mate tout. On se retrouve dès que tout ça c'est fait. Vous pouvez aussi éventuellement préparer toutes vos cartes, les mater aussi. Vous pouvez les mater. Hein. Alors comme moi j'avais 4, 6 cartes là, mais j'en ai peut-être plus parce que du coup je crois que je ne l'ai pas utilisé complet cet album. Ça veut dire que ça se trouve, j'en ai peut-être 12, non, j'en sais rien, je sais pas. J'en ai peut-être 6 et 6, non, je sais pas. Je vérifie là, je crois pas, non. Je crois que j'en ai que 6, j'avais dû en utiliser pour faire autre chose, hein, parce que j'ai quand même dû faire quelque chose avec cet album parce qu'il manque des pages. Donc, ouais, j'en ai plus que 6, ben c'est pas grave, on prend 6, hein, je les mettrai dans les enveloppes. On peut aussi mater toutes nos cartes là, hein. On peut faire tout ça et se retrouver ensuite. On fait ça? Allez, on fait ça. Hein. Tu leur dis qu'on est content, je vais aller me faire un petit café moi en même temps. J'ai le droit, hein, non mais dis donc. Allez, je fais tout ça puis on se retrouve après. Hop là, donc on a bien travaillé chacun de notre côté, on a maté nos enveloppes recto verso et j'ai fait mes cartes là, mais j'ai fait qu'un seul côté, enfin qu'une face là. Le reste, je verrai ça plus tard parce que je ne sais pas encore. Voilà, peut-être j'insérerai des peuples, je ne sais pas, d'accord? Mais en façon, c'était pas le but aujourd'hui, enfin, c'était pas le but mater du papier, voilà quoi, hein, d'accord? Donc là, on a nos enveloppes qui sont ouvertes de chaque côté, hein? Bon, c'est des pochettes toutes prêtes, quoi, si on peut dire. Alors, donc, du coup, maintenant, on va les mettre, on va les fixer, OK, à notre album, à notre base, d'accord? Pour ce faire, on va mettre du double face de chaque côté de nos 1 cm, là, notre, hein,
Alors, je vais le faire comme ça avec du double face. Là, je vais prendre du double face parce que la colle, voilà, là, ça va pas le faire. Enfin, je préfère prendre du double face, là, d'accord? Et puis en plus, comme ça, vous verrez, voilà, enfin, vous verrez. Attendez, et c'est tout neuf sur vous, là. Hop, alors. Du double face parce que comme il y a 10 cm et là, ça va foutre partout. Enfin, faut vraiment, ou alors vraiment, comme je disais, faut étaler au pinceau pour être sûr que ça dégouline pas partout la colle. Hein. Bon, là, je prends du double face. J'en mets donc sur les deux côtés. Mais là, sur un côté, vous voyez, et sur l'autre côté. Hein, de chaque côté. Je vais toutes les poser, ça sera fait. On va le faire ensemble, ça. Voilà. Autant mater, c'est un peu. C'est pénible, hein, c'est pas ce qu'il y a de. C'est ça. Mais ça détend, hein, de mater, de découper, coller, découper, coller, découper, coller. Ça fait un peu travail d'usine, hein, c'est ça. Donc là, on met. Donc du double face que je vous conseille de chaque côté. Voilà. Déjà parce que pour insérer les enveloppes là, ce sera plus facile avec du double face. Le but étant de vous faire faire un petit album facilement, costaud, facile. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sans que ce soit trop compliqué, quoi. Et puis sans trop avoir de déception si on rate, si on machin, on pose mal ou truc comme ça, je sais pas. Enfin, bon. Alors donc voilà, regardez. Là, vous voyez, il n'y a rien de, hein, y a rien de compliqué. Puis en plus, on peut bien appuyer, ça va pas s'abîmer. Vous pouvez vous appuyer comme ça, les manipuler. Vous voyez, vous avez mis du double face de chaque côté. Comme ça, hop, voilà, vous laissez ça, c'est très beau. Hein. Maintenant, on va poser donc nos pochettes, hein, nos enveloppes qui sont transformées en pochettes, en l'occurrence là. Donc, moi, j'ai fait que du ciel mauve, hein, bon, voilà quoi. La fille qui est vachement inspirée. Donc, du coup, on va insérer la première, comme ça, hein, on va mettre, hop, à l'intérieur, comme ça, d'accord? On va faire ça, voilà. Alors, justement, on va le faire, on va l'aplatir, lui. On va pas le faire en l'air, comme ça. On va le coucher comme ça pour insérer comme ça. Pour ce faire, on va retirer la pellicule du double face du dessus. Vous retirez pas là. Non, non, non. Vous prenez, hein, vous retirez, hop. Et là, vous allez bien ouvrir l'enveloppe, hein, qui n'est plus une enveloppe, qui est je sais pas quoi. Et là, vous allez insérer en dessous. Vous voyez, en dessous, ça risque pas de coller puisque machin. Vous allez insérer, vous allez placer bien votre pochette comme ça. Vous voyez, vous ouvrez bien, vous mettez la main comme ça risque rien. Vous allez positionner votre pochette, voilà, en haut, en bas, que ce soit, comment dirais-je, bien centré, hein. Et là, vous allez pousser comme ça. Vous allez pousser. Poussez, 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 madame, poussez, madame. On voit les pieds, on voit la tête, on voit des trucs, des trucs, des trucs. Et là, quand vous savez que vous êtes poussé, vous avez poussé comme ça, hein, que vous sentez bien, que vous êtes bien prêt à, hein, eh bien, vous allez, hop, vous allez donc à ce moment précis appuyer ici, voilà. Et là, vous n'avez plus, voilà, elle est fixée, elle est déjà fixée d'un côté. On pourrait fixer juste un côté, sauf que si on met quelque chose dedans, ça va ressortir par là. Et l'album, c'est possible. Mais c'est que quand il y a un papier qui ressort de l'autre côté, ça peut abîmer votre album. Donc là, eh bien, vous le fixez aussi, du coup. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, maintenant, c'est hyper facile. On soulève là. On retire la pellicule du double face de l'autre côté. On n'a plus qu'à faire cela. Hop. Et là, on est sûr que c'est bien placé. Donc, qu'est-ce qu'on n'a plus qu'à faire? On n'a plus qu'à, hop là, et appuyer. Et ça y est, notre première page est fixée. Vous voyez? C'est vraiment hyper facile de faire comme ça. Voilà. OK? Maintenant, on va faire la deuxième. Et pour la deuxième, ça va être encore plus facile, du coup, puisqu'on a déjà la première de positionner. Hein, donc, et on va s'aligner à celle-ci. On va donc s'aligner à la première que l'on a fait pour que ce soit, qu'elle soit toute exactement la même hauteur. On prend sa deuxième enveloppe. Je suis très essoufflée. On prend sa deuxième enveloppe. Hop.
J'y arrive pas. C'est ça, c'est tout. Donc on va faire comme ça, on est d'accord. Et là, on va s'occuper de la hauteur, hein, pour que ce soit la même hauteur que là, hein, d'accord, hein. Et puis là, bah pareil, bah donc on va retirer la pellicule juste au-dessus pour l'instant. Si vous avez peur de pas être sûr de vous, vous pouvez mettre une légère couche de colle dessus sur le double face, hein, d'accord? Ça vous permet de manipuler et de, si vous avez mal collé, vous avez bougé au dernier moment, ou je sais pas, le chat est venu vous sauter dessus au moment où vous étiez en train de coller votre page, ou votre gosse il vous a tiré le bras, maman, maman, machin, paf! Hein, non, paf, vous lui mettez pas une baffe, hein, mais paf, votre truc il est loupé, vous recommencez. Hein, donc vous mettez de la colle. Et alors donc là, je m'aligne, vous voyez, je glisse comme ça, hein, je glisse comme ça, j'ouvre. Je fais ça, donc j'aligne en haut, en bas, je pousse, poussez madame, et donc là, hop, je peux coller le côté là, voilà, je suis sûre que je suis à la bonne hauteur là et là, vous voyez, hein, là, je retourne le truc, je retire ma petite pellicule qui est là, voilà. Et hop, et là, je n'ai plus qu'à appuyer, je suis sûre que ce sera bien mis. Voilà. Vous voyez? Regardez. Ça commence à avoir de l'allure, hein? C'est ça. Alors, on aurait pu. Ah, ça, c'est parce que je le fais avec des enveloppes. Si vous ne voulez pas faire avec des enveloppes, évidemment, c'est possible. Mettez un papier, mettez une feuille, vous collez d'un côté, hein? Voilà. Vous coupez une autre, vous la collez et vous collez en haut et en bas et vous avez aussi une pochette. Hein? Voilà, puis c'est tout. Hein? Si vous n'avez pas d'enveloppe, hein, vous pouvez quand même le faire, hein? Là, c'est parce que moi, je prends une base d'enveloppe. Parce que, pourquoi? C'est parce que c'est pour celles qui voulaient laisser le rabat comme ça et faire des pochettes avec, vous savez, j'en ai plus là d'enveloppe sous la main, mais c'était pour laisser au cas où le rabat, c'était pour avoir plusieurs possibilités de fermeture d'enveloppe. Hein? C'est compréhensible ce que j'ai dit là? Enfin, vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. C'est ça. Voilà pourquoi. Hein? Voilà pourquoi je fais comme ça, moi. Mais après, vous faites bien, c'est toujours pareil. Hein? Ça, c'est une base, et après, avec voilà, vous faites bien comme vous voulez, c'est toujours pareil. Il y a toujours voilà. Donc, hop là, donc, je et puis voilà. Moi là, c'est parce que j'ai fait une tranche de 1 cm, c'est toujours pareil. Hein. J'ai fait des trucs de 1 cm. Hop. Voilà. Voilà, impeccable, super. Voilà. Ça va, mon amour? Et hop, et là. Impeccable, impeccable. Ça va, mon amour? Mon petit cœur, je t'aime. On va y aller, hein? Donc voilà, et voilà, et hop. Et voilà, super, génial. Hop là, et la dernière, il restera. C'est ça. Je trouve que c'est une façon de comment dire facile quoi. Je trouve que c'est une façon facile. Après, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être. Enfin, non, de toute façon, c'est facile. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, on a beaucoup de marge là. On a beaucoup, beaucoup d'espace puisqu'on a mis 1 cm entre. Voilà. C'était le but. Hein, c'était le but. Donc là, mes cartes. J'ai fait donc des doubles cartes. C'est pareil. Donc là, moi, je vais faire ça. Je vais les insérer comme ça. Voilà. Voilà, hein. Voilà. Mais c'est pareil. Hein. Vous pouvez, si ça vous plaît pas, les insérer comme ça. Vous pouvez les coller dessus, comme ça. Les recouper un petit peu là. Vous les collez dessus. Ça vous fait une page supplémentaire. Vous pouvez les coller comme ça. Vous pouvez les coller dans ce sens-là.
Vous pouvez en coller une de chaque côté parce que vous avez beaucoup beaucoup de place. Voilà, moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. À l'intérieur, moi je voulais mettre donc des cartes comme ça là. Hein, voilà, vous savez, c'est des cartes pour faire des photos. Moi c'est ce que je vais faire là. Hein, voilà. Et je peux mettre une carte plus une carte. Enfin, on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut, bien évidemment. Donc moi là, à l'intérieur, c'est pour mettre ces cartes-là qui font double photo. C'est l'occasion de faire ça, voilà, hop, hop, j'ai dû les préparer, j'en ai plus, si elles sont là, normalement, j'en ai assez, normalement, parce qu'il y en avait 6, hein. Hop, 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 et hop, voilà, hop, donc, si, les cartes, attendez, j'arrive même pas à les ranger, j'arrive pas à les ranger, donc, l'intérieur, il y a les jolies cartes, hein. Enfin, ou pas, jolies cartes, hein. Enfin, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, ensuite sur les côtés, là, j'ai décidé que j'avais deux enveloppes, vous savez. Donc, ben, tout simplement, j'ai collé en bas, là. Enfin, bon, là, il n'y a rien de sorcier, hein, je veux dire. Et donc, je vais coller une là, comme ça, et une là, comme ça. Voilà, hein, je vais faire ça, comme ça. Voilà, je vais faire ça. Donc, là, ça permet de mettre une photo ou pas, hein. Voilà, j'ai mis ça, moi. Donc là, je vais mettre du double face aussi. Hop là, comme ça dégoulinera pas sur ma. Et puis, ça sera. Moi, je préfère là mettre du double face. Hein, voilà, hop. Non, je pense que là, ça suffira. C'est assez collé, hein. C'est assez collé, hein. Voilà, comme ça là. Ouais, ça sera parfait. Alors, si vous voulez. Attendez, parce que là, on n'a pas décoré. Enfin, de toute façon, après, il n'y a plus qu'à décorer. Enfin, il n'y a rien de. Y a vraiment rien de difficile là. Hein. Vraiment, rien de difficile. Rien de difficile du tout, du tout, du tout. Hop, hop. Hop. Donc. Voilà, toc. L'autre côté, hop. Je voudrais. Ah ben là, j'ai cette chanson dans la tête maintenant. C'est le genre de chanson qui fout le cafard, vous savez. Et alors, voilà quoi. Quand on est triste, quand on n'a que l'amour. Non, quand on est triste comme ça, on a toujours tendance à écouter des chansons tristes. Et c'est très thérapeutique, c'est très bon, hein. Vous savez, c'est pas, oh là là, à l'écouter. Eh ben non, ça fait très du bien d'écouter de se foutre vraiment au fond. Hein. C'est ça, n'importe quoi. Non, c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. Plus on est triste et plus on écoute des trucs tristes. C'est vrai. Et ça fait du bien. Si, si, c'est prouvé que c'est tout à fait bien de faire ça. Alors, donc, quand on est triste, on n'a pas envie d'être gay, hein. Hop là, et voilà. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier à faire ça, franchement. Vous avez vu. C'est super. Voilà. Donc, on a ça. C'est sympa, non? Si, c'est sympa. On disait que c'était sympa. Donc là, les pochettes, elles vont se barrer. Elles vont se barrer. Si vous faites ça, vous voyez, regardez. Hop là, oh, ça tombe. Oui, c'est normal, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Mais on s'en fiche. Alors, on s'en fiche. Non, enfin, on s'en fiche pas, mais ça tombe. Parce qu'elles ne sont pas fermées, mes pochettes. D'accord? Hein? Bon, eh bien. Hop. Je vais quand même laisser comme ça. Je vais quand même laisser comme ça, moi, parce que je fais qu'est-ce que je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Donc, on aurait pu faire des encoches, là. On aurait pu encocher. On aurait pu faire tout ce qu'on veut. Et on peut surtout aussi faire des petites fermetures comme ça, toutes mignonnes. Vous prenez vos chutes, hein, et vous faites. Après, là, l'album, vous allez vous l'approprier. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Maintenant, vous avez votre base, là. Vous faites tout ce que vous voulez. C'est à vous de vous amuser. Donc, si vous voulez que ce qui est dedans, ça ne se barre pas. Eh bien, vous prenez une petite chute, vous collez un petit bout là, hop, comme ceci. Vous faites ça. Vous faites une petite ceinture, toute mignonne, hein. Et puis là, soit vous êtes experte, vous mettez un aimant, vous mettez un petit velcro. Les boucles
boutons pression sur le papier, je trouve que c'est moyen moyen parfois. Il faut vraiment que pour mettre des boutons pression, il faut vraiment que le papier ce soit du costaud costaud, hein, pour que quand on tire comme ça l'arrache pas le papier, ça c'est un petit peu embêtant. Et si vous n'avez ni velcro, ni quoi j'ai dit, ni velcro, ni aimant. Eh bien, c'est pas grave, vous prenez une petite pastille de double face, hop, hein, et puis vous mettez du double face, une petite pastille de double face, et puis ben voilà, ça fonctionnera aussi, hein. C'est, oui, c'est pas le moyen le mieux, mais c'est faisable, d'accord? Et vous faites une petite ceinture comme ça, assortie à votre papier, c'était tout mignon. Et comme on a beaucoup de marge, on a 1 cm et tout là, vous pouvez même vous payer le luxe de décorer votre ceinture, là, la fermeture, avec un embellissement bois. Un petit bouton, c'est l'occasion de vous servir des petits boutons de couture. Si vous voulez, faites ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie de faire avec de la ficelle, vous pouvez. Vous pouvez aussi faire une petite perforation là, une petite perforation là. Vous retirez votre carte là, hein, vous faites un trou. Vous pouvez, hein, prenez votre perforatrice. Je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous donner des idées de fermeture là originale pour votre petit album tout mignon mignon. Prenez votre perforatrice, vous faites un trou là, hop, hop. Donc vous allez vous retrouver avec un trou de chaque côté, c'est un. Hein, et là, quand vous mettrez votre petite chose dedans, hein, il faudra qu'elle soit un tout petit peu plus petite que l'enveloppe, et vous pourrez y rajouter un petit ruban, tout mignon mignon, hein, un petit ruban, voilà. Et puis vous fermez. Si vous voulez pas faire de trou, et eh bien vous mettez un petit ruban là, hop, et vous faites un petit nœud sur chaque page. Ça fait très très chabi, très joli. Enfin, il y a plein, plein de façons de fermer vos petites pochettes là. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais réfléchir. On a le droit de réfléchir. Donc voilà. Ensuite, vos cartes là, où vous pouvez insérer vos pop-up, etc. C'est soit vous les insérez en plus dedans, comme ça. Là, vous les insérez dedans. Hein. Si ça ne vous plaît pas d'insérer dedans, vous collez dessus comme ça. Vous faites un surmatage. Pour ce faire, vous pouvez décaler un petit peu. On peut très bien, comment dirais-je, déstructurer l'album. C'est-à-dire que, voyez, là, vous êtes là, votre page, elle arrive là, vous pouvez décaler, décaler pour faire, du moment que ça ne sort pas de l'album, du moment que ça ne sort pas de l'album, vous pouvez décaler votre page pour faire un truc un petit peu déstructuré comme ça. C'est vous qui voyez. Ce qui est bien, c'est de couper là. Voilà, le principe est et que ça ne dépasse pas trop parce que c'était pas prévu à la base pour ça. Hein, d'accord, vous voyez? Donc vous collez ça dessus et vous faites des pages supplémentaires comme ça. Donc vous pouvez y mettre vos pop-up, vous pouvez voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Hein. Là, vous pouvez vous éclater avec des gros embellissements. Hein, c'est ça que. Et si vous trouvez que 1 cm c'est trop pour vous, eh bien vous faites 0,5 là à chaque fois, comme on a fait hier pour le mini mini. D'accord? Donc voilà, là il n'y a plus vraiment qu'à décorer, à s'éclater. Hein. Voilà. Donc moi je vais faire, j'en sais rien pour l'instant. Je vais mettre, j'avais là-dedans, dans ces petits embellissements-là, des petits cœurs comme ça, je trouve qu'ils vont bien avec l'album là. Ces petits cœurs là, un petit cœur comme ça, là, de ci, de là, vous voyez, dans le noir là. Regardez, c'est beau. On peut vraiment s'éclater à faire des jolis embellissements. Là, il y a même des petites étoiles comme ça. Regardez. Ça va bien avec le thème. Vous voyez, regardez, c'est joli tout plein. Je vais y mettre mes petites images. Là, il y a des petites images. Vous savez, des petites images comme ça, là, pour faire des stops. Hein, on peut faire des stops là, avec ces petites photos, là. Voilà. On peut s'amuser, hein, suivant le bloc que vous aurez choisi. Hein. C'est pas ce qui manque en général dans les blocs de chez Action. Il y a quand même tout ce qu'il faut pour décorer votre album. Donc voilà. Et là, la couverture. Donc la couverture. Alors, hop là, moi je vais mettre, je ne sais pas encore, vraiment, je vous assure, je ne sais pas. Je vais sûrement mettre cette jeune fille-là qui est là. C'est très sombre, mais je pense que je vais la mettre ici. Hein, voilà. Voilà, je vais la mettre ici. Je ne sais pas, là. Hein, c'est ça. Donc, bah, si vous voulez fermer avec un ruban, est-ce qu'on ferme avec un ruban? Je ne sais pas non plus. Je ne sais rien, je ne sais rien. On peut fermer avec un joli ruban, bien sûr. Je vais peut-être mettre un joli ruban mauve. Allez, je vais mettre du ruban. Bon, je suis pas super fan de fermer avec des rubans. Mais, hop, tiens, là, il est beau celui-là. Tiens, je prends celui-là. Il est magnifique, il est gros. Est-ce que c'est pas un gros album finalement, hein? Non, c'est pas un super, super gros album. Tiens, je vais fermer avec ça. Je vais fermer avec ça. Je l'ai récupéré, vous me l'avez offert.
C'est dans les couleurs, c'est parfait. Donc voilà, ça sera parfait. C'est donc soit vous le passez tout autour comme ça, soit vous le passez comme ça. Moi, ce que je fais quand je mets du ruban comme ça, je vais mater avec, par exemple, je sais pas, je sais rien. Il y a des sapins là aussi, c'est exactement à l'intérieur, c'est exactement pareil. Voilà. C'est possible que je mette ça. J'en sais rien. Je sais pas. Bon, bref, vous avez compris. Ce que je vais faire. Non, moi je sais ce que je vais faire. Ça y est. Allez, ça y est, je sais, je sais. Si, si, je sais, je sais, je sais. Voilà. Pourquoi je vous disais ça? Ça aussi, c'est joli. Ce que je vais faire, ce que je fais moi en général, donc c'est je mate. Et pour coincer mon ruban, je vais mater. Hop, et je mets mon ruban. Et mon ruban, je le coince avec une autre image pour que mon ruban il soit entre deux papiers pour pas que ça déchire le matage. Parce que, hein, voilà ce que vous voulez que je le fasse. Je vais le faire avec vous, juste la couverture là, pour vous montrer comment je fais. Mais j'ai déjà montré, hein, j'ai déjà montré, mais je vais le refaire avec vous pour. Bon, voilà. Sauf qu'il faut là, il faut que je trouve les deux images que je vais utiliser. Et ça, c'est pas gagné. Bon, alors là, elle est en petite. Ah, attendez, c'est ça. Alors, je vais peut-être mettre sur pause le temps de chercher exactement ce que je vais prendre. Là, c'est beau. Tiens, je vais prendre cette image-là. Je l'aime beaucoup, cette jeune fille-là qui regarde, qui voudrait parler à son père, sûrement. Hein, mais je ne veux pas chanter, ça me fait pleurer. Je suis désolée, hein, je suis pénible. Hein. Tiens, je vais prendre ça. Voilà, je ne suis pas guérie. Pourtant, ça fait plus d'un an maintenant, je ne suis toujours pas guérie. Hein, et je ne guérirai jamais, à mon avis. Je suis vraiment désolée. Alors. Donc là, je vais mater là, avec un joli papier comme ça. Hein, voilà, je vais donc préparer. Hein, et puis, on se retrouve. Je vais faire ça hors caméra. Je vais couper, machin. Deux morceaux de papier, devant, derrière. Je vais faire la tranche aussi. On va tout faire, tout faire, tout faire. Donc là, il me faut du 11,5. 11,5. Hein, 11,5, 11,5. Ce sera parfait. 11,5 sur 16,5. 11,5, 16,5. Hein, ah, on se retrouve dès que j'ai fait tout ça. Hop là, donc pour finir avec vous, donc j'ai découpé mes matages. Alors, voilà ce que je vais faire. Voilà comment je fais moi pour mettre mon ruban. C'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ruban? Ça y est, je l'ai paumé. Il est tombé. Alors attendez, je suis obligée de remettre. Ah non, il est là. C'est ça. C'est l'horreur. Si, c'est l'horreur. Ça, c'est moi, vous savez. Donc là, je colle pas, je mets du double face. Je mets du double face. Je répète parce que j'ai aucune envie d'avoir des coulures de. Parce que la colle au scotch, pas de problème, on peut. Si vous avez ça, c'est parfait. Mais la colle blanche, là, oulala, oulala, oulala. J'ai pas tellement envie de rater mon petit album tout mignon, mignon. C'est ça, on disait qu'il était tout mignon, mignon, attention. C'est ça. Alors, le temps, il commence à se gâter. Il faudrait que je me dépêche de sortir mon petit loulou pendant que le temps est encore potable. Donc, je vais peut-être m'affoler un peu le jonc, là. C'est ça, le jonc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas, ça veut dire quoi, ça, s'affoler le jonc. Ça n'existe. Enfin, ça veut rien dire, en fait. Enfin, bref. Alors, donc, hop là, je fais ça, hein. Voilà. Hop. Aïe, 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 dépêche-toi, Angélique. Hop, voilà. Donc là, je colle. Je fais mon matage. Hop, je fais, tiens, c'est comme ça. Voilà. Hein? Bon, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mettez, je répète, de la colle sur votre double face. C'est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce papier? Qu'est-ce qu'il est joli? Qu'est-ce qu'il est joli, hein? Là, hop, l'autre côté, hein, devant, derrière. Hop, hop, hop. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un pas de nous, un rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire au regard. Juste une. Je sais, il est tard. J'ai jamais rien demandé. Ça, c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous. Oh, juste un léger retard. Il y en a tant qui tant le perdent, tant qui le perdent le cœur. Tant qu'ils se lèvent en des instants de grâce. Moi, je donne ma place au paradis, si l'on oublie sur terre, encore hier.
Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un pas de nous, un rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Hop là, ça, la tranche, hop. Voilà. La tranche, la tranche, la tranche, la tranche. Non, vous voyez, j'ai fait ma couverture, je disais, bon là, franchement, voilà, c'est pour ça que je ne fais pas avec vous, ça, non, enfin, hein, bon, d'accord. Et puis, hop, là, je colle ma tranchette. Alors, on fait attention que ce soit bien aligné avec le... Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau ce papier, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Alors là, moi je vais peut-être faire des petites sangles. Je ne sais pas encore. Je vais mettre du ruban, moi. Je vais faire très chabi, très comme ça, très vaporeux. Hein, c'est joli. Et donc là, j'ai dit que là maintenant, je vais mettre mon ruban. Je vais mettre mon ruban comme ceci. Alors, je ne sais pas. Je vais pas le mettre vraiment aussi au milieu. Ouais, au milieu. Si, je vais le mettre au milieu. Enfin, au milieu, comme ça. On disait que c'était le milieu. Hein. Oh là là. Alors là, je vais mettre mon ruban. Donc, je vais le fixer comme ça. Juste un petit peu comme ça là, hop, avec un bout de double face. C'est juste pour qu'il reste en place le temps que je mets un bout de double face là, hop, là. Je pose mon joli ruban, tout mignon mignon, qui est adorable, tout plein, hein, voilà. Et là, je vais coller par-dessus mon, vous voyez? Je colle ma jolie petite image. Il faut peut-être que je la coupe un peu droite parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Je dis hein, c'est vraiment n'importe quoi, je dirais même. C'est ça, on va se calmer, voilà, ça c'est bien, c'est mieux, c'est un peu mieux. Et là, je vais coller donc mon image dessus, voilà. Alors, pour ce faire, je mets du double face aussi encore, mais là, j'aurais pu mettre, parce qu'il y a du ruban, donc je mets du double face. Hop, voilà comment je procède, hein, voilà. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de façons de fermer votre album. Hein. Vous faites bien comme vous voulez. Et c'est toujours pareil, je le répète aussi. Il n'y a pas d'obligation de fermer un album. C'est pas obligatoire. Vous pouvez même faire un joli belly-band en ruban, un joli ruban. Mettre un joli ruban et faire un gros nœud juste comme ça pour l'offrir, l'album. Vous voyez, sans le fixer. C'est ça, vous comprenez? Et faire une ceinture comme ça, voilà, avec un joli nœud. Et puis c'est très joli aussi. Hein. Alors, je vous avais vu, hein, je mets beaucoup, beaucoup, c'est pour que ça soit bien fixé et que ça n'abîme pas mes images, mon papier, d'accord? Voilà. Voilà, vous voyez, il y a tellement de façons de fermer un album que vous faites bien, vous avez vu, je fais voler les ça. Et là, je colle ma jolie petite, hop là, je vais la mettre là, comme ça, pas tout à fait au bord, pas tout à fait au bord, hein. Comme ça, voilà. Voilà comment je fais, hein? Voilà. J'ai pas coupé parce que voilà, regardez, c'est joli. Enfin, c'est joli, c'est pas fini de décorer, bien sûr. Faut le sentiment, les petites étoiles, je vais mettre des étoiles, des cœurs. Ou je vais mettre les cœurs, là, les petits cœurs mauves, là, ils me plaisent énormément. Hein. C'est vraiment top, top, top. Hein. Voilà. Et l'autre côté, bien sûr, j'ai pas coupé. Pourquoi? Parce que je fais ça pour que ce soit à la bonne place. Bon, il est un petit peu long, là, faut pas exagérer, Angélique, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, de toute façon, c'est ça. Et là, voilà, pour être sûr que c'est bien à la même place, hop. Je me mets comme ça, je me mets comme ça, voilà, hein, voilà, vous voyez, comme ça je suis sûre que je suis bien, bien placée. Hein. Donc là, rebelote, je mets un petit bout de double face pour fixer un minimum mon ruban, l'autre extrémité. Hein. Hop, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, lui je le colle. Voilà comment je procède. Hop. Voilà, tac. Et puis je vais y mettre la lune. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. M'a dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois.
que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Voilà. Donc voilà. Hein. Hop. Hop et hop. Zoubidou, bidou, bidou. Allez. Oh là là. Angélique, Angélique, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est ça. Et là, la lune, on peut la mettre dans quel... Non, le sens qu'on veut. Oh là, vous avez vu les premières images de la... sur Mars, là, avec la fameuse caméra. On voit comme... comme si on y était. C'est incroyable, hein, le progrès. Hein. Bon, alors ça n'avance pas le schmilblick, hein, parce qu'ils veulent tous partir sur Mars. Hein, parce que... C'est ça. franchement, je vois... ça, je sais pas quel intérêt ça a, mais ça a intérêt que c'est très beau. Hein, c'est magnifique. On a des superbes images de Mars. Hein. Voilà. C'est ça. Alors là, je mets la Lune. Et l'autre côté, je mets... voilà, j'en sais rien. Hein, la rendez-vous avec la Lune. Oh, c'était tellement joli. Et là, donc, une fois que coincer mon ruban devant à derrière, et bien là je choisis la dimension que je sais pas non plus, je ne sais rien. Et comme vous voyez, là j'ai pas coupé encore, je coupe comme ça là, et là je pourrais m'en servir pour fermer un autre album, d'accord. Alors je vais couper, je sais pas à ce niveau-là, je pense que c'est quand même assez. Non, j'ai toujours peur de pas avoir assez, moi. Non, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Nanana. Allez hop, on disait que voilà, ça y est, c'est coupé, hein. Trop tard, trop tard. Hop là, c'est trop tard. Alors je vais prendre. Ah, pourquoi un briquet? Vous savez, il faut brûler. Vous foutez pas le feu à votre album, mais je veux dire par là, il faut brûler des bouts parce que l'organza, c'est hyper fragile. Ça va, sinon ça va s'effilocher et ça va, bah, c'est pareil, ça va être foutu. Hein, donc vous brûlez les bouts comme ça, hein, légèrement. Alors vous mettez la flamme, vous la passez rapidement comme ça, vous savez, parce que sinon ça va foutre le feu. Et là, on ferme. Et là, hop, regardez comme c'est romantique, c'est joli, hein. Oh, c'est beau, mais c'est beau. Voilà, hop, 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 voilà. Alors, je n'y arrive pas, mais bon, vous avez compris que vous faites ça, hein, c'est ça. Voilà. Oh là, c'est trop joli, c'est trop, trop, trop beau. Voilà, hein, regardez. Et comme ça, c'est, voilà, enfin bon, hein, voilà. Moi, j'aime bien. Et voilà, et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est trop joli, c'est trop joli. Il n'y a plus qu'à, bah, je disais, donc rajouter vos, moi je vais, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai le droit de pas savoir. J'ai le droit de pas savoir. Je pense, moi, que je vais faire je vais les coller comme ça, je vais les surmater, comme ça. Je vais la recouper un peu. Je ne sais pas, en fait. J'en sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors, non, je vais les laisser comme ça pour avoir le plus possible de pages. Et peut-être, oh je sais, ça y est, je sais, ouais, je sais ce que je vais faire. Voilà, je vous dis ce que je vais faire, et comme ça, si vous voulez faire pareil, eh bien, ma foi, hein, puisque vous trouvez que c'est une superbe idée, c'est ça. Je vais faire ça. Alors, je vous explique, j'ai plein de petites images, des petites, plein comme là, hein. Voilà, mais si vous pouvez mettre autre chose, hein, des embellissements, vous coupez des cœurs avec vos perforatrices, des cœurs, des papillons, des fleurs, des j'en sais rien, peu importe, voilà ce que je vais faire. Comme là, j'avais maté que le dessus pour vous montrer ce que ça donnait, comme ça. Eh bien, voilà ce que je vais faire pour fermer mes enveloppes. Je vais mettre ici un petit aimant. Un petit aimant ici. J'aurais dû le mettre avant le matage, mais c'est comme je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Je vais faire un stop, en fait. Hein. Je vais faire comme un stop où je vais décorer comme ça avec une... voilà. Et puis là, je vais mettre en dessous mon petit aimant et paf! Ça sera fermé comme ça. À chaque fois, ça sera fermé avec un aimant. Hein, voilà, je vais faire ça. Et comme ça, hop, je soulève. J'ai mon aimant, je soulève. Là, je vais mater avec mon aimant en dessous. Et comme ça, je pourrais profiter de tous les côtés. Ça fera quatre photos. Voilà. Et je pourrais aussi à l'intérieur y rajouter des. Voilà. Hein, ça, là, parce que là, vous savez, j'ai déjà la carte. Ensuite, c'est pareil. Donc, je vais faire ça, hop. Ça. Voilà, un aimant. Ou alors, si vous voulez pas mettre d'aimant, bah, vous pouvez, hein, mais pas mettre d'aimant. Hein. Vous mettez un velcro ici, un velcro là, et hop! Comme ça ferme votre. Ça ferme votre. Voilà, on peut faire ça, hein, ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa, un petit velcro aussi. Ah, mais c'est même plus rapide. Hein. Oh, c'est carrément plus rapide, la fille qui est feignante. J'ai le droit. Mais j'ai le droit, hein. Je mets un petit velcro, paf, paf, et ça y est, on n'en parle plus, c'est fermé. Hein. Voilà, pourquoi pas, hein. Et puis c'est original en plus, ça change. Oui, c'est une bonne idée. Je vais faire ça, tiens.
Parce que les velcro, c'est assez joli quand c'est posé. Hein, des tout petits. Enfin, moi, j'en ai des tout petits, là. J'en ai eu... Où est-ce que j'ai eu ça? Je sais même plus. Ah, si, j'avais commandé ça sur AliExpress à l'époque. AliExpress, hein, voilà. Oui, mon cœur, on y va, mon amour. Et donc, vous voyez, c'est petit comme ça, voilà. Hein, je vais mettre comme ça, là. Hop, hop. Et puis, voilà, je vais les coller comme ça, les quatre. Voilà. Et de ce côté-là, comme ici, ça sera plus creux. Il y a encore de la place. Ici, je vais y placer un pop-up de la boîte d'action. N'importe quoi. De la boîte de chez Jiffy. Et puis comme ça, voilà, je vais faire ça. Puis, je vous montrerai quand ça sera tout fini. Là, je vais y poser des petits cœurs là, à la place des étoiles. J'en sais rien. Hein, on le décore. Chacun décore son album comme il veut. Et puis, on se le montre hein, ou on se le montre pas. Enfin, en tout cas, moi, je vous le montrerai, c'est sûr. Voilà, et c'est super, super joli. Voilà, moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hein. C'est trop joli, trop joli, trop joli. Regardez la place qu'on a pour faire plein de choses. Hein. On a de quoi s'amuser. Hein. Ah oui, on a de quoi s'amuser. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Hein. C'est une vidéo. C'est très long. C'est peut-être un peu exagéré aussi pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain pour le sketch. Demain, c'est jeudi. Donc, on se retrouve pour le sketch. Hein, qui voudra? Voilà. Moi, je serai là, en tout cas, c'est sûr. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et à demain. Ciao.